Et là, bim, c'est en bas. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Toast. Oh là là, quel plaisir. Je ne crois pas mes yeux, figurez-vous. Comme à chaque fois, j'ai écrit mes intros. Alors, vous allez bien? Moi aussi. Bonjour et bienvenue dans Toast. Oui, quel plaisir de te recevoir. Alors, et merci, j'explique, monsieur Poulpe. Bah non, mais je vous explique le délire. Aujourd'hui est avec nous Elena Noguera. C'est ça. Et je ne saurais comment te présenter. Du coup, je vais plutôt présenter Joachim en attendant. Ouais. Et Toast co-animé avec ma grosse jojote, comme on l'appelle, Joachim Ronsman. Joachim, aujourd'hui, on a bienvenue au chat. Et bienvenue au chat. Merci aux modérateurs, aux modératrices qui sont là. Je suis. Un jeu de mots quand vous dites bienvenue au chat. Non, mais on peut essayer. Il n'y a pas de sous-entendu. Non, il n'y a pas. Parce que c'est marqué. Non. C'est marqué chat. Ok. Et donc on dit chat. C'est un chat, ouais. Ouais, c'est on chat, quoi. Mais elle discute, quoi. Moi, je t'avoue que je me suis mis la pression parce qu'on s'est rencontrés. On va le dire aujourd'hui. Oui. Attends, les gens, il n'y a pas de secret. Non. On s'est rencontrés parce qu'on fait ensemble l'émission Camille et Images. Oui. Et on s'était déjà rencontrés avant sur Burger Quiz. Oui. Et c'est vrai que je t'ai vu, là, quand on s'est vu à Camille Images, on a un peu parlé et tout. Je me suis dit, putain, elle est tellement cool, quoi. Et je crois que c'est... pas ce que tu m'as dit, hein. C'est pas du tout ouais, ça. C'est vrai que c'est pas ça que j'ai dit. Mais il n'y a pas de meilleure façon de te présenter que de dire qu'elle est tellement cool. Donc je vais le faire quand même pour faire genre comme si c'était une vraie émission. Mesdames et messieurs, attends, j'aime pas du tout mon cadrage. Donc avant de... Alors, là, je pense aux gens qui écoutent l'émission en podcast. C'est pas ouf quand je dis j'aime pas mon cadrage pour les gens qui écoutent ça en podcast. Ouais, parce que c'est aussi en podcast. Oui, c'est aussi en podcast. Ouais. Tu viens de te mettre du rouge à lèvres. Ouais. Parce que t'allais me présenter, je me suis dit, je vais mettre du rouge à lèvres. Donc là, tu vois, t'as l'écran large, tu peux voir le chat à droite. Je t'explique un peu. J'explique aussi, pardon, aux gens qui nous rejoignent et à toi. Cette émission s'appelle Toast parce qu'à n'importe quel moment, on peut porter des toasts. Voilà. Mais c'est toi qui les décides. Non. Ah, je peux aussi dire bonne santé. À n'importe quel moment. Tu vois, très vite, on oublie rapidement le concept de cette émission. Oui. On oublie très vite qu'on peut porter des toasts, mais c'est pas grave. Et donc, voilà, les gens interagissent. Si vous avez des questions pour Elena, vous les posez. Et je serai le prisme, je serai la voix. Tu peux pas reculer ça parce que Elena, elle est un peu dans l'ombre. Ouais, c'est vrai. Ah. Hop, voilà. Oh. Voilà. Beaucoup. Ça aussi pour les gens du podcast, c'est bien. Ouais. Elena. Oui. Elena, carrière incroyable. Incroyable. On le savait que tu avais fait énormément de choses, que mais tu fais autant. Énormément de choses. Mais c'est vrai que pas à ce point-là. Non. C'est-à-dire qu'on a dû se mettre à deux pour qu'on compte. Ouais. C'est vrai. Donc là, on est sur une présentation très data. Je te présente de façon très data. Elena Noguera, plus de 40 longs métrages, une vingtaine de séries, 8 albums de musique, 5 romans, une dizaine de pièces de théâtre, animatrice télé, animatrice radio et surtout animatrice de Plus Vite que la musique sur M6. Oui, c'est vrai. Ouais. J'ai présenté des clips sur M6 au siècle dernier. C'était à l'époque Ophélie Winter et tout? C'était juste après. Ah, juste après. Donc, mais c'est juste pendant. Enfin, voilà. tu présentais les To Be Free et tout? En fait, oui, c'est ça. C'est l'époque. Dis-moi ce que tu veux, je te dirai ce que tu veux. Hey, dis-moi ce que tu veux, je te dirai ce que tu veux. Je veux. C'est une reprise de. Ah oui. Mais c'est je l'ai décidé là. Spice Girls. Toi, t'as dit, et tout de suite, ça nous vient d'Angleterre, ça va cartonner. Oui. Voilà les Spice Girls, t'as dit ça à la télé. Ouais, à la télé. Sur M6, le matin, de 7 à 9, je présentais les clips. J'ai débuté à la télé comme ça. J'avais 25 ans, et donc c'est il y a 30 ans. Voilà pourquoi j'essaie de rendre ça cool. Ouais. Ça. En fait, quand on a vécu, on fait plein de trucs. Bah ouais, oui, mais t'as choisi... De ne pas faire qu'une chose. Toi, tu as choisi d'explorer. On y reviendra un peu plus tard dans l'émission, mais j'ai l'impression que tu es une goûteuse. C'est ça. Tu es une gourmande de l'artistique. Je suis une gourmande de la vie. Et oui. C'est ça. Une seule vie ne me suffisait pas. On n'a qu'une vie. Tu te repais de la vie. Je me repais de la vie, mais c'est ça, exactement. Excuse-moi, je vais te demander un truc pas très poli, mais est-ce que tu peux un peu pivoter? Parce que là, on voit vraiment que tes cheveux. Ah, oui. Et voilà, si jamais tu peux prendre. C'est qui nous filme? C'est elle. Ah, c'est elle, mais bien sûr. Ouais, un tout petit peu, ouais, une petite translation.
Je fais. Ouais, je suis désolé. Ouais, pardon. Je suis désolé. On est, sur un petit studio parisien. Elle a fait une chose et elle est souple. Voilà. Ben oui, les gens dans le chat, trop cool Elena Noguera, premier degré, très, très classe cette moustache Joachim. J'ai eu peur. Moi aussi, j'aurais pas dû dire ça. Je l'ai rasé ce matin, je l'ai pas aujourd'hui ma moustache. Salut Elena, est-ce que les... Alors c'est marrant parce que t'as fait une vanne juste avant le tournage. Salut Elena, est-ce que les gens te parlent de Bayonetta? C'est vrai, je l'ai pas dit, mais c'est vrai que t'as fait des chansons de jeux vidéo, ce qui est quand même rarissime. J'ai fait des chansons de jeux vidéo, j'ai fait Bayonetta, qui est un jeu donc d'une marque japonaise. Qui est comme un Lara Croft d'une marque concurrente. Ouais. Et c'est une héroïne et je chante quand vous jouez, c'est moi qui chante. Et donc tu fais tire à gauche un peu, il y a des méchants, attention, baisse-toi. C'est plus ou moins ça. Je crois que c'est plus ou moins une chanson. Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que je dis. Ah ouais. C'est japonais. Ah, c'est japonais. Ah, tu peux chanter en japonais. Non, mais c'est pas mes meilleurs morceaux. D'accord, ok, on va passer à autre chose alors. Très beau le Mickey, j'espère qu'on parlait de ton pull. Oui. Écoutez, donc du coup, voilà, comment va se passer cette émission? Oui. Déjà, très bien. Oui, ensuite, au programme, nous allons faire des interviews, nous allons faire des interviews de toi, Elena. Nous allons faire des jeux ensemble. Il y a Joachim qui aura un cadeau pour toi. Mais avant... Pas qu'un seul, en plus. Oh là là. Pas qu'un seul, mais avant, tout de suite, c'est ta chronique préférée. Oui. Parce que tu regardes beaucoup l'émission. Oui, tout le temps, tous les jours, tous les jeudis. Donc, tu peux dire le titre de l'émission pour que je lance le titre de la rubrique, que je lance le jingle. Alors, la rubrique, ça s'appelle Japanese... Ouais. C'est comme ça que tu vois notre émission. Ouais, on est des geekos. On est des geekos japonisants. Ouais, pas du tout. Tu t'es bien mis le doigt dans l'œil, mon pote, parce qu'ici, c'est gloire à Satan. Et tout de suite, c'est vivement l'enfer. Jalouse de ton Pinocchio. Merci. Tu peux le filmer alors? Ouais, carrément. Est-ce que je peux faire ça? Ouais, tu peux. Est-ce qu'on va le capter à l'image? Ouais, on voit. Alors, il y a une subtilité dans ce Pinocchio. Oui, surtout, il y a un masturbateur. Ouais. Il y a un masturbateur japonais juste à côté. Il y a plein de choses, peut-être. Ouais. C'est bien, bien. Joli. Alors, vivement l'enfer, comment ça marche? Oui. En gros, le principe, c'est que Joachim et moi, on va te parler à toi et au chat de trucs qu'on a lus, vus, entendus récemment, qu'on a trouvé super. On va en parler, on va essayer de les vendre. Et à la fin, il faudra qu'on choisisse. Donc, ceux qui ont écouté devront choisir si c'est vivement ou l'enfer, c'est-à-dire est-ce qu'on a hâte de voir ou pas du tout. Ah, ok. D'accord? Et vous, le chat aussi, dans vous allez participer. Vous allez dire ce que vous avez aimé. Voilà. Et nous, on dit vivement ou l'enfer. Voilà. Ouais. Ouais, tu peux le dire de façon plus polie, mais oui c'est juste comme ça, en tout cas, effectivement. Okay, okay. Tu veux commencer ou tu veux que je commence? Non, vas-y, commence parce qu'il y a une ligature. Enfin, il y a un truc qui se suit par rapport à ce que tu as proposé. Donc, vas-y. On dit une ligature? Non. Si, alors, dans la typographie, on dit ligature, mais dans l'audiovisuel, c'est plutôt une transition. Dans le milieu des graphtoches. Dans les graphtoches, c'est ligature. Une ligature. Ouais. Ok, ok. Alors, je suis hyper embêté parce que je me suis rendu compte d'un truc. Je le dis haut et fort, c'est que on est une émission de reco culturel. Oui. Et en fait, on met des bandes annonces, des extraits vidéo, des trucs dont on parle. Et souvent, du coup, je vais aller prendre les trucs de YouTube. Ah oui, on n'a pas le droit. Et en fait, après, quand on met cette émission sur YouTube, la plupart du temps, l'émission se fait sauter. Alors, du coup, je te demande, t'es l'invité, c'est toi la reine. Je mime ce que tu dis. Ah, ça serait génial. On pourrait faire ça. Trop bien. J'ai un peu morvé de rire. Je m'attendais pas à ça. Non, c'est soit tu choisis qu'on mette quand même la bande-annonce et peut-être l'émission fera sauter, ou on met des images. Choisis. Ah, ok, mais des images. Wow. Vous êtes très clémente, madame. Merci beaucoup. Oui. Alors, je vais vous parler d'un documentaire qui est sorti il y a quelques semaines qui s'appelle Raël et le prophète des extraterrestres. Attendez, merde, j'ai oublié, il fallait que je fasse ça. Voilà. C'est une série documentaire sur Netflix qui parle de Raël. Est-ce que tu vois forcément Raël, qui était Raël? En fait, c'est un prophète qui a dit... Tout de suite, c'est moins cool quand t'as pas la bande-annonce. De fou, c'est horrible. Non, mais surtout que l'image, elle est faussement cool, je trouve, cette image, en plus. Mais en tout cas... Elle est malaisante, quand même. Est-ce que vous avez vu déjà cette série? Ouais, non. Je l'ai vu, moi. Toi, tu l'as vu. Donc, en gros, c'est une série en 5 épisodes
qui raconte toute l'histoire de Raël du début, c'est-à-dire quand il a décidé de dire « bah en fait voilà, il y a des aliens qui sont venus, ils m'ont donné un message de paix et maintenant je vous le transmets ». Sucez-moi la queue. Voilà, ça arrivait à ce truc-là où, voilà, très rapidement, allez, maintenant, il faut sucer, hein, c'est parti, et on va le faire dans des algécos, dans la forêt. Ouais. Et donc, il y a tout ce. Et avec, si possible, me donner beaucoup d'argent aussi. Oui, en plus, car j'aime bien faire de la course automobile, il dit, Raël. Donc, on a tous les aspects de Raël, c'est assez ouf. Moi, je connaissais l'histoire, mais pas à ce point-là. Il y a vraiment des trucs, on apprend énormément de choses. Chanteur. Hyper intéressant. Chanteur. Raël, chanteur. Ouais. Raël, pilote. Ouais. Animateur, animateur sur Europe 1. Non, et ça va. Et ce qui est génial, c'est que et ça, c'est pas un spoil. Il le montre dès le début de la série de Doc. C'est qu'ils l'ont retrouvé et ils témoignent là maintenant. Ouais. Non. Ils ont retrouvé Raël. Et en fait, ce qui est spoiler, assez. Je peux balancer un spoiler. Ouais. Il habite au Japon. Il habite au Japon. Mais il est quel âge? Il est 62. Ouais, il a l'âge de 80, voilà. Tranquille. Il est pépouse. Ouais, ouais, ouais. Et ce qui est génial dans ce Doc, il a l'âge de s'appeler Pépé. Ah ouais. Ils ont retrouvé énormément de gens qui ont vécu toute cette période-là et qui témoignent. Et donc, tu as des gens que tu le vois, ils sont encore sous l'emprise de ce gourou. Enfin, c'est hyper intéressant à voir. Il y a, je pense, des petits trucs qui manquent. C'est un peu dommage, mais franchement, c'est à voir. Et surtout, c'est un truc qu'on a connu. C'était dans les années 90. Vraiment, je vous encourage à regarder Raël. C'est sur Netflix et c'est 5 fois... ça va assez vite. C'est 5 fois 45 minutes, un truc comme ça. Franchement, c'est vraiment ouf. Et ce qui est marrant, c'est que Netflix fait souvent des séries de docs sur des gourous qui ont fait tuer tout le monde, etc. Et pour le coup, à part le fait que les gens ont lâché énormément de thunes et qu'il y a eu des trucs pas très propres sexuellement, globalement, il n'y a pas eu de mort. Donc en fait, il y a un truc où c'est Mais il y a eu des abus sexuels. Ouais, et mais trucs ça reste même, un peu enfant, plus léger. Oui, sur enfants. Ouais, alors, ça n'a jamais été prouvé. Ça n'a pas été prouvé et leur défense était super. Ils disaient « Oui, mais l'église ouais, !» C'est pas une défense, en fait. Non, mais franchement, il y a tout le truc du clonage qui est tout un pan du documentaire qui est incroyable parce qu'effectivement, cette secte voulait faire du clonage humain. Et c'est, voilà. Est-ce que je peux me permettre de m'immiscer dans ta... Immiscez-vous, monsieur. Moi, lui est complètement idiot. Enfin, je comprends pas. Non, attends. Okay. Lui est idiot. Bon. Sa théorie, il se trouve qu'il rencontre des gens qui, eux, sont, en carence affective. Perdu, un peu voilà. Perdu. Exactement. Donc, se retrouve en lui, etc. Mais franchement, toute sa théorie, à part qu'il dit qu'il a été pris par les extraterrestres, tout son truc tient pas vraiment la route. C'est un peu faible. Il faut pas trop demander de détails. Non, mais c'est un peu faible. En revanche, il y en a une qui est tarée de chez tarée. Ouais, elle est super. C'est la scientifique. Elle est géniale. Oui. Elle est folle alliée. Elle est complètement maboule. Et puis, il y a un moment, t'apprends, je spoil un peu, mais il y a un moment, bon, elle allait pas trop en laboratoire, quand même, pour une scientifique. Quand même. Donc, c'est plutôt un personnage assez intéressant. Ah ouais, c'est exceptionnel. Elle faisait l'école buissonnière. Oui, voilà. Elle est exceptionnelle. Et c'est elle qui est à l'origine du clonage, de l'idée du clonage. Et donc, c'est elle qui va, à un moment donné, affirmer qu'il y a eu des clones, etc., d'humains, nanana. Je ne spoil pas plus, mais c'est vraiment impressionnant. Alors, public, Elena Joachim, oui. Raël, oui. Enfin, le documentaire Raël, vivement ou l'enfer? Vivement. Vivement, Elena? Ouais. Ah ouais, ça me fait envie de voir, parce qu'on était enfants, nous, les plus vieux, oui. À ce moment-là. Donc, on l'a vraiment connu et c'était une possibilité à un moment. C'est-à-dire, avant de devenir un peu chelou, c'était curieux. Mais c'était un animal des médias. Il était dans tous les plateaux télé. Ouais, c'est ça qui était validé. Oui, c'est ça. Il était validé. C'était un peu, pour moi, à mon époque, c'était un peu au même niveau que les frères Bogdanov. Tu sais, t'avais un peu tous ces personnages un peu curieux qui prenaient la parole, mais parce que ça faisait de l'audience et tu sentais qu'ils déblatéraient des trucs. Science-fiction. Exactement. Et toi, Joachim? Oh bah non, mais moi, c'est validé de malade. C'est vivement, parce que je l'ai déjà vu et que je le trouve vraiment bien, pour le coup, ce documentaire. Ouais. Et t'as raison de rappeler qu'il n'y a pas eu de meurtre, il n'y a pas eu de fin tragique, même si je pense que il y en a qui ont beaucoup souffert quand même de cette chose-là. Sexuellement et financièrement, il y a des gens qui ont pris cher. Non, mais c'est même pas que ça. Il y a une emprise psychologique. Ouais, ouais. Ça reste de l'emprise psychologique. Ouais, ouais, c'est un mouvement, c'est une secte. Bon, et voilà. Donc ça, c'est un peu terrible.
Bon, mais à côté de ça, l'histoire de ce personnage, la trajectoire en fait, c'est la trajectoire qui est intéressante. Et c'est toujours intéressant de voir un mec qui est qui au début limite raconte une blague quoi. Ouais. Genre j'ai été pris par des extraterrestres et en fait ça prend. Ouais. Mais c'est en fait c'est là où tu vois la. En fait, s'il y a un gros coup de chat aussi de ce gars-là, c'est que plein de fois, il c'est le pas le suit. Chat là, hein. C'est ouais, pas le chat. Non mais il y a plein de fois où régulièrement. En fait, il balance des trucs et en fait, il y a des gens qui disent ah ouais et en fait ouais, ça marche. Ça. Tu vois, et c'est pas, ouais. Il a pas non plus des dons absolus de maîtrise des foules. Et dans le chat, vivement à 80%. Eh ouais. Ah oui, ça fait plaisir. C'est peut-être ton meilleur score, ça, non, 80%. Où tu le vois ça Là, je le vois là. Il faut que tu me fasses confiance. Tu fais confiance. Il y a un moment là où tu me fasses confiance. Immense, c'est 78. Ouais, bon, j'ai menti. C'est ça. C'est voilà. Exactement c'est des... ça. Oh, il y a des tout petits indices. En tout cas, ouais, je l'ai vu chez Ardisson, etc. Les extraterrestres, ça faisait vendre et tout, ouais. Ok, vous verriez Gourou, vous ? Il y a beaucoup de vous. Ah ouais, vous. Ouais, si non, on se voit Gourou ? Ouais. Moi vous, virgule, moi vous, de, vous verriez ? Moi de malade. Non, en vrai, non. À mon vrai caractère, non. Mais un peu un moi, fantasme. J'ai un projet. J'ai eu un projet. Okay. De religion ? De dictature. Non, j'ai créé la dictature du bonheur. Oh. Et donc, j'avais un gouvernement. Ok. Et donc, nous avions des dîners avec des gouvernements et nous pensions à cette dictature, donc des réformes, des lois, etc. Donc, j'étais la seule dictatrice. Mmh. Ouais. Mais c'était dictateur dans... ou dictatrice. Ouais. D'accord. Et c'était pendant des dîners. Tout ça, vous parliez là, avec, les ministres. Voilà, avec les ministres. Les dîners, c'était le dîner de la dictature avec beaucoup tous de drogue. Les... Énorme. Mais attends, là, quand tu dis nous, là, tu parles dans ta tête ou en vrai non, en vrai. En vrai. En fait, dans mes amis. Ouais. En fait, j'avais distribué des ministères et on prévoyait des nouvelles lois, des réformes. Et ah, donc, tu faisais des points réguliers de... On faisait des dîners réguliers parce qu'on voulait donc présenter un programme politique. C'était avant la première élection de Sarkozy, ça remonte. Oui. Donc, il y avait j'étais allée voir Guy Birenbaum. C'était pas un gros poids de sap. Il n'y avait pas de gros poids de sap. On était très sérieux. Est-ce que vous connaissez Guy Birenbaum ? Bien sûr. Ben, Guy Birenbaum, qui était, je l'ai rencontré à 25, quand j'avais moins 25 ans, il était prof à Sciences Po, donc c'est un homme qui s'y connaît très bien. Érudit. Et je suis allée le voir avec ce projet. Il m'a dit, formidable, essaye de faire un vrai programme, je vais t'aider et publions un programme avant les élections. Bon, je me suis un peu ramollie, mais j'avais donc... Ah, c'était un vrai projet. J'aimerais bien être dictateur du monde, c'est-à-dire la reine du monde, mais... Du bonheur. Du bonheur. Mais ce qui n'est pas drôle non plus, parce que c'est une dictature. Ah, le bonheur, c'est pas marrant. Non, c'est quand c'est fait de façon sérieuse et administrative. Cette phrase, le bonheur, c'est pas marrant. On garde cette phrase. Ah, attention. Ça, c'est une super phrase. Et alors, je précise, après, on arrête de parler de ma dictature, mais à chaque ministère, c'était un homme, une femme. Comme ça, il y avait les deux points de vue. C'était toujours des têtes, des doubles têtes. Ah, malin. Homme-femme, donc parité totale, sauf la dictatrice qui était que moi. Mais comment tu peux... Alors, c'est là où le truc se mord la queue, mais... Tanel, il était à la culture, par exemple. Ah, pas mal. Voilà. Tanel, qui est ton fils. Oui, pardon. Précise. C'est mon fils. Moi, je voudrais te poser une question. Mais qui est vieux. C'est pas un enfant. Il n'y avait pas d'enfant dans mon ministère. C'est à partir du moment où c'est une dictature, comment tu imposes... Parce que le fait d'imposer le bonheur ou la joie, ou, hein, y a, dans le fait d'imposer, c'est une contrainte. Donc déjà, c'est un peu antinomique. Mais bien avec sûr, c'est le... pour ça. C'est pour ça que ça s'appelle la dictature. C'est pour ça que c'est une dictature. Mais elle passait par des lois et des règles. C'est-à-dire, je voulais réformer l'école, donc on mettait des cours de philosophie à la maternelle, des cours de yoga, de méditation. Tous les mercredis. Il y avait l'école de l'autre. Ouais. Tous les mercredis, tu as la sonnette des pompiers, il faut se faire la bise aux gens qui sont autour de toi quand par ça exemple, sonne. Par exemple, ça pourrait. C'est un projet de loi qu'on aurait pu discuter. Tu aurais pu venir tu vois, j'ai une autre loi. Tu aurais pu demander qu'on vote la loi. Dans tous les trucs, genre la SNCF, enfin, tous les transports en commun, on ne les paye pas. Mais on doit faire des compliments sincères au contrôleur. Oui, ça c'est tout à fait, tu as compris la logique. Par exemple, les petits larcins, au lieu d'être punis en prison, on mettait la personne sur une place publique et tous les gens qui l'ont connu devaient venir lui dire ce qu'il avait de bon. Se souvenir, tu te souviens, tu m'avais prêté ton cartable quand tu étais petit, j'ai goûté, tu ne les voulais jamais, tu me les donnais. C'est-à-dire redire... tout ce que cette personne a de bon et le revaloriser dans toute sa bonté. Donc ça, c'est les petits larcins.
Par contre, les vrais méchants, ils allaient à Hoyland. Mais bon. Attends, vas-y, continue. Ça, vraiment, pardon, on va pouvoir faire l'émission là-dessus. Alors, Hoyland, c'est l'étendue d'un pays, donc un grand territoire. Hoyland. Oui, vous allez comprendre. D'accord. Avec des grands murs qui allaient très très haut et sur lesquels tombait toujours de l'huile en continu. Et tout ce territoire, tout le pays, il y avait une petite pluie très fine tout le temps d'huile. Donc les gens dans cette ville, tous les méchants, les violeurs, les terroristes, on les met tous entre eux. L'huile. Mais libres dans l'Oilland. Donc libres à eux de s'auto-tuer les uns les autres, puisque de toute façon, ben, ils se sont un peu perdus. Avec l'huile, s'ils ont des armes, elles glissent, elles ne peuvent pas tirer. Ça, c'est tout est... Je vois que tu as pensé à tout. S'ils se battent, ça glisse. Tu vois, il n'y a pas vraiment des coups qui sont tellement terribles. Et en même temps, s'ils veulent se violer entre eux ou défaire... Là, pour le coup, c'est hyper bien lubrifié. Voilà, c'est très lubrifié. Ouais. Et pour en sortir, il fallait qu'ils écrivent donc une thèse sur ce qu'ils ont fait et sur la possibilité de sortir d'Oilland et ce qu'ils allaient apporter à la société en dehors. Cette thèse était lue par mon gouvernement. Si elle était acceptée, ils avaient un petit... J'écoute premier degré. Pendant 3 ans, un sas où ils étaient enfermés hors Hoyland, où ils devaient donc développer cette thèse, comme quand tu fais une thèse à l'école. Tu vois, quelqu'un dit dans le chat, c'est l'Australie en somme. Peut-être qu'il y a des régimes comme ça. Parce que tu es utile. Donc si le gouvernement estime que ton projet de réinsertion, c'est-à-dire qu'il faut penser soi-même, donc c'est développer la pensée, et puis il a tous les outils. En Hoyland, s'ils veulent, ils peuvent aller à la bibliothèque, il y en aurait. Mais tu mets où Hoyland? C'est un territoire, on prend un territoire inoccupé où il n'y a rien, ça peut être un désert, il faut qu'il fasse un peu chaud et que ça soit un peu désagréable quand même. Mais en fait, c'est dune avant dune, en fait, le truc. Ouais. Voilà, je sais pas, c'est j'ai hyper pas vu bien. D'une. Bravo. Voilà. Non, mais ça c'est fait... un des projets, c'était très élaboré. Hein. Je peux faire 10 heures sur. Ma... Moi, je veux bien, tu veux bien enregistrer, m'envoyer tout ça. Et je vais mon écouter. Mon projet ouais. Ok, je te ferai. Ouais, j'adore. T'as raison, je pourrais faire un podcast sur mon programme. Non, mais en série. Mais oui. C'est vrai. Mais bien sûr. Tu fais un podcast sériel où tu racontes tout. Oui, la ton culture, truc. Comment ça se construit. Toute ta dictature. L'économie. Si tu veux, tu viens là et on fait, mais sérieusement. Oui, on fait l'économie, je vous amène mon programme, ok. Ok, très bien. Quelqu'un demande si on a pris des pâtes de fruits. Trop bien. Un vrai pays. Mais ouais. Hein ah ouais, vraiment. Je dessine le drapeau super, et tout. Super. Ah ouais. Ah, tout de suite, t'as vu? Il veut se placer pour prendre mes un billet. Mais... Direct. Ouais. Non, mes ministres. Je fais gratuit. Gratuit, gratuit. Faut que j'appelle mes ministres et tout ouais, ça, ouais, que je repasse ouais. mon gouvernement. Ok, ah bah super. Joachim, tu voulais nous parler. Attends, comment t'es élu? Ah bah non, dictature. Non, je suis dictatrice. Et les ministres, c'est toi qui les nomme. C'est moi qui les choisis. Ah ouais, c'est quoi? C'est lequel ton verre? Ça, c'est mon verre. D'accord. Je suis un vrai dictateur. Ouais, c'est pas mal. Triste. Thèse. Inclusive. Test. Dictatest. Moi, j'aime bien dictatresse parce qu'il y a un peu maîtresse dedans. Il y a tresse, il y a le mot tresse. On te verra avec une longue tresse comme ça. Voilà. Ouais. Ouais, tresse. Ouais. On reprend le... Oui, bien sûr. Franchement, j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie d'écouter Elena pendant deux j'ai heures. J'ai encore envie d'écouter La Folle. Est-ce que tu veux nous parler... La Folle. Tu veux nous parler de BD? Oui, alors je vais vous parler de BD. Alors c'est... En règle générale, je fais pas trop ça. Je suis pas trop un dingue de BD. Sauf que là, je vais vous parler d'un auteur que j'adore, qui avait pas sorti d'album depuis 7 ans. Qui s'appelle Daniel Close. Daniel Close, c'est un des auteurs de BD de la contre-culture américaine. Donc avec Charles Burns, etc. Il fait chaud, t'as vu. Oui, non, mais je savais pas si je devais t'enlever du cadre. Ou... Et donc, Charles Burns, évidemment, légende de la BD. Voilà, et là, c'est Daniel Close. C'est un peu, tout ça, c'est la même école, etc. Oui. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de lui. Et là, il vient de sortir un album qui s'appelle Monica. Enfin, un album, une BD qui s'appelle Monica. Putain, un meilleur album à Angoulême. Et voilà, qui vient d'être élu meilleur album Fauve d'or à Angoulême de cette année. Et c'est absolument magnifique. Déjà, le traité, le dessin, moi, m'émeut beaucoup et je m'en inspire beaucoup dans mes dessins. C'est un peu cet univers que je recherche. En toute humilité, hein, parce que lui est un grand dessinateur. Et à côté de ça, tout son univers, et c'est pour ça que je voulais en parler juste après Raël,
c'est en règle générale des univers qui sont assez proches de des trucs très oniriques, très presque métaphysiques. Alors beaucoup plus élaboré que Raël pour le coup. C'est très, on lit ça, on réfléchit beaucoup sur la vie, sur notre place sur cette terre, etc. Mais aussi, c'est très parallèle à des rêves, etc. C'est très dur à expliquer l'univers de Daniel Clowes. Il y a cette histoire-là, en l'occurrence, c'est l'histoire d'une fille qui est abandonnée à la naissance par ses parents, qui va habiter avec ses grands-parents. Et au fur et à mesure de sa vie, on la suit tout au long de sa vie, c'est d'elle enfant, même avant sa naissance, c'est la vie de ses parents très rapidement. Donc elle qui va naître et après sa naissance et après toute sa vie jusqu'à sa mort. Et en fait, tu la suis comme ça. C'est pas, je spoil rien en disant jusqu'à sa mort parce que c'est pas très intéressant, mais tu vas la suivre tout au long de sa vie comme ça et qui va rechercher justement sa propre identité. Voilà. Et aussi à la recherche de ses parents. Et il se trouve qu'à un moment donné, elle va se rendre compte que ses parents, en fait, sont dans une secte. C'est pour ça que c'est... Voilà. Et elle va s'intéresser à cette secte. Je vous en dis pas plus, parce que si je commence à vous raconter toute la partie secte, bah là, c'est pas possible. J'en dirai trop. Mais c'est absolument magnifique, c'est drôle, c'est subtil, c'est riche, c'est, toutes les cases sont très très riches. Voilà, c'est déjà l'image déjà de cette couverture que je trouve absolument magnifique. Ouais, et notamment, il y a un truc qui est très particulier chez lui. Je ne suis pas fan, en règle générale, des couleurs dans les BD. En général, les couleurs dans les BD sont pas... Lui, il a un traité de couleurs qui est absolument génial. Voilà. Donc, voilà, le dernier... Il va poser la question. La dernière BD de Daniel Clowes, Monica. Et donc, c'est super. C'est maintenant. Ça vient de sortir. Ouais, génial. Attends, il n'a pas posé la question. Donc, qu'est-ce que j'en pensais? Mais non, c'est pas ça la question. Vivement ou l'enfer? Ah oui. Vivement, vachement. Ok. Moi, je vais dire vivement aussi, mais alors pour une raison bien nulle. Ah. C'est que moi, j'ai sorti une BD, j'ai sorti deux BD, et du coup, ça fait que... Ça raconte. Voilà, c'est tout. Voilà. Ouais, on enchaîne. non, et du coup, je suis dans les votants d'Angoulême, moi, du coup. Ah, ok. Ouais. Donc chaque année, je vote, et en fait, là, T'as pas voté pour lui. Si, il y avait plus que trois noms et j'ai voté pour Daniel Clowes sans voir la BD, tu vois. Et je me disais, ouais, c'est nul de faire ça, mais en même temps, j'aime bien ce qu'il fait. Bon, ben voilà, j'ai gagné. Ah, super, j'ai gagné. Wow. Non, mais du coup, je vais évidemment lire la BD, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est lui, Spirou. Ouais. C'est ça. Hein. Non, c'est lui. Son grand succès, c'était Ghost World, qui avait été adapté notamment au cinéma, qui était un film un peu indé, avec etc. Thora Birch. Exactement, Thora Birch. C'est un HPI, film super. Je suis HPI. Non, qui est un super film. Je ne connais pas. Ouais. T'as pas la connaisse? Ghost World. Super film. Ouais, très bien, Ghost World. Et alors, dans le chat, c'est vivement à 65%. Eh ben, je suis pas autant que toi. Les gens sont hypés. Ouais, mais pas autant que toi. Attends, mais c'est pas une compète, qui c'est qui gagne à la fin? C'est la culture. Ah, c'est beau, c'est beau. Moi, je vais me faire un verre à boire. Et la BD, c'est pas très populaire, je crois, si. Bah, non, c'est pas non plus. Non. C'est moins que et plus que quoi? Bah, c'est moins. C'est vraiment des bêtises. C'est plus que le breakdance. Hein? Par exemple, si on devait comparer. Ça n'existe plus, le breakdance. Ah si, c'est aux Jeux Olympiques. Non, sans déconner. C'est une compétition officielle. Ouais, c'est une discipline. T'as dessiné les joggings? Non. Des rappeurs? Ah, non, je peux pas tout dire. Déjà, il y en a qui râlent pour les Jeux Olympiques Suède, là, dans le chat. Déjà. je vais arrêter de parler des Jeux Olympiques. Viens, on parle de ça autre chose. Ah, Poul, je pense que tu as voté pour le Grand Prix, pas pour le Fauve d'Or. Effectivement. J'ai dit de la merde, effectivement. Et le Grand Prix, c'était qui? Donc du coup, j'ai perdu. Le Grand Prix, c'est Posy Simmonds. Posy Simmonds, c'est celui qui avait fait les monstres, le machin, les monstres dans ma tête, là. Le truc crayonné au bic. Ah oui, oui. Ce que veulent les monstres. Non, mais ça, c'est une femme qui l'a fait. Oui, c'est ça. Ah d'accord. Posy Simmonds. J'ai dit de la merde ou pas? Je sais plus. Parce que non, j'ai pas l'impression que ce soit elle. Hein. C'est pas elle? Non, parce que... Bon, bref, dis celui, oui, pardon. C'est une femme, ouais. Enfin, bon, bref, je suis HPI, c'était ça qu'il fallait dire. Okay. Ok, bravo, je vais passer. Putain. Alors, ma prochaine reco. C'est mon potentiel intellectuel. Ouais. Ok. Ma prochaine reco, elle est. Je me suis auto-diagnostiqué. Ouais. Totalement faux. Ma prochaine reco, elle est
hardcore. Donc, tu vois ce que c'est ? Non, non, mais j'ai vu le titre. En fait, c'est un truc qui s'appelle Docteur... Attends, je vais bien le dire. Docteur Pimple Popper. Non, mais ça, c'est dommage qu'on voit pas des images. Alors, je vais mettre l'Instagram. Je mets l'Instagram. Ouais, ouais. En fait, Popper. En fait, à la base, c'est une médecin californienne qui avait un compte Insta. Dermato. Mais alors, dermato. Hein. Pas tes petits ministres de chez la dictatrice. Non, mais attends, il y a peut-être un trigger. Ouais, alors. Bah non, en fait, parce que moi non, je mais le trigger, donc, ça non. fait des frissons normalement. Non, mais il y a des gens, il y a des gens qui sont peut-être pas à l'aise. Non, avec mais je mets la page de garde. Mais la page de gars. Toi, ça va, t'es à l'aise avec. Ouais, ok. Je crois que je me suis dit. Fais des boutons oui. quand on explose. Je me suis dit que tu kiffes. Ouais, ouais. Moi aussi, j'adore ça. Je me suis dit que t'as j'adore. Donc en fait, voilà, là, elle est là, c'est elle, c'est Dr. Sandra Lee. Vous voyez, elle a 4,5 millions de followers. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, elle, son truc sur Instagram, elle pète des boutons. Ouais. Voilà, regardez, il n'y a rien en action, tout va bien. C'est dégueu, mais tout va bien. Donc elle pète des boutons vraiment hardcore. Mm-hmm. Ok. Eh ben, hier, je me suis un peu perdu. Sur Prime Video, je me suis un peu perdu dans les émissions et machin. Et j'ai vu qu'elle avait une émission. Elle a deux saisons. Génial. C'est l'antichambre de l'enfer. Je vous jure, j'ai hurlé pendant 2 heures. Je peux pas vous mettre la bande annonce parce qu'on va, ça va être terrible pour les gens. Mais en surtout fait, vous êtes après interdit de oui. d'antenne, donc c'est. Mais en fait, c'est un niveau où vous ne pouvez pas imaginer. C'est pas les boutons. Non, ah là, là, c'est un gros. Non, mais c'est un. C'est des trucs dans le dos. Ouais, j'en ai vu. Non, mais il y a. Moi, premier épisode, en fait, c'est trois par épisode. Je vous l'ai décrit, mais j'ai hurlé. Et à chaque fin d'épisode, j'étais physiquement épuisé. Ouais. Et il y en avait un autre qui se lançait. Et t'as ce truc où tu veux regarder et en même temps, tu souffres. Non, il y en a c'est un qui. Donc t'en as trois par émission. Dans la première émission, t'as un gars, il vient, il a une troisième fesse. Vraiment. Ouais, ouais. Ah bon un bouton au cul qui est une troisième fesse. Il la sort de son pantalon. Il n'a pas besoin de baisser son pantalon. Il sort son bouton et dit « Ouais, en fait, là, je commence à avoir une scoliose parce que quand je m'assois, je suis tout le temps comme ça. » Et les gens, ils disent « Mais c'est, en moyenne, c'est genre, ça fait 15 ans que j'ai ça, tu vois. » T'en as un qui vient, il a, mais attends, un, pardon, il a un bob. Ça lui fait... Pardon. Mais il a pas mal. Il a oui, pas parce mal. Que on a eu ça. On a eu des furoncles, tout oui, ça. On mais, a tous eu ça. Mais pas... Mais pas ça, pas la fesse. Non, mais pas... là, il y a des trucs... hyper mal. Non, mais il y a des trucs... Il y en a un, il vient, il a un chapeau. Il enlève... Il a un bouton sur le crâne, c'est une balle de. Bon, je voulais vous en parler. C'est plus gros qu'une couille, vraiment. Mais ça ressemble à une couille, mais c'est plus gros. Il l'a comme ça. Et comme il est blagueur et que ça fait 15 ans qu'il l'a, sur son bouton géant, il a un petit chapeau. C'est-à-dire que son bubon géant a un chapeau. Et donc, elle est là en mode ah, génial, j'adore. Elle est joyeuse de ouf et tout. Et donc après, il y a des maladies. C'est produit un peu entertainment, genre où il raconte l'histoire du gars avant, oui, etc. Oui, il raconte qu'il souffre. Mais c'est terrible parce qu'en fait, il y a les gens, ils perdent leur confiance en eux, ils sortent plus et tout. C'est terrible. Et elle. Pourquoi ils vont pas chez le dermato En fait, la plupart disent je suis allé voir plein de médecins, ils m'ont dit que c'était pas grave. Mais genre, ça revient tout le temps. Mais c'est juste du pu qu'elle enlève. Alors, t'as ça. Non, mais là, c'est pas juste du pu, c'est des torrents. Tu veux pas nous mettre du pu. Tu veux pas nous mettre et comme ça on fait un live react, on voit nos gueules. C'est vrai que je voulais faire ça et j'ai oublié de vous le faire. Non mais là, sur cet écran là. Non, ah oui, ok. Mais tu vois. Ok. Non, je peux pas. Il faut que je le fasse là. Et si, parce que ça sera pas diffusé. Non, parce que j'ai pas, je peux pas mettre ma vidéo là-dessus. C'est incroyable et surtout, en fait, ce qui est génial, c'est que elle aide ces gens-là. En vrai, elle fait du bien, mais tu vois des trucs. Et donc là, je vais vous en montrer une. C'est vrai qu'on crie. Ça s'appelle Dermato Popper, quoi. Docteur Pimple Popper. Docteur Pimple Popper, ouais. C'est donc une dermato qui éclate des boutons. Alors, je vous montre. Attendez, vous savez quoi ? On va y aller graduellement. D'abord, je vous montre le petit chapeau. Et après, je vais vous montrer. On regarde le où, truc. Là ? Non, là, c'est sur l'ordi, là. Donc, les gens ne vont pas le voir. Non, les gens ne le voient pas. Alors là, on vous décrit. C'est une femme qui est assise sur. Bon, bah. Bon, là, elle parle. Attendez. Elle parle. Ça arrive. Bordel de merde. C'est vrai que ça fait tout de suite un peu battre le cœur. Hein. Ouais. Ouais. Donc là, on est au Texas, aux États-Unis, Fort Worth, Texas. Donc là, on est devant la clinique. Et là, t'as un mec qui se gare. Monsieur qui se gare. Il a un bob. Il a un bob. Ah, c'est lui ? Ouais, c'est lui. Ah, génial. Oh, il enlève le bob. Mazette. Il a un gros bouton. Ah, une boule, mais c'est même une pas citrouille. Un bouton.
Bon, c'est la taille, franchement, c'est la taille d'une grosse boule de ping-pong, de balle de ping-pong. C'est plus gros, je pense. Mais c'est pas que du pu là-dedans. Ah non, c'est plus gros. C'est une mandarine. C'est une mandarine. Alors, vu que vous avez été sage, je vous emmène à l'opération. Oh putain. Donc là, il est allongé. À tout moment, vous arrêtez de regarder. Hein. Je peux pas regarder. Là, il se fait piquer le bouton. C'est piqué le bouton. Là, elle enlève un peu du bouton avec sa seringue. Donc, ils ont tous les deux des masques, en revanche. Alors, j'avance un peu parce que... Moi, je pourrais faire ça dans la vie, je crois. Ah ouais. Donc là, elle aspire. Bon, là, elle parle face cam. Elle est jolie. Hein. Mais on a vu du sang. Bah là, carrément, c'est de la chirurgie, là, en fait. Du sang, ouais. Moi, ce qui m'amuse, c'est les boutons noirs, les points noirs. Attendez, parce qu'elle le vide après. Elle l'enlève, elle le vide. Ah, je vais pêcher. Oui, mais ça, c'est pas pareil. Regarde, elle le sort. Oui, mais ça, c'est pas pareil. C'est ignoble. Non. Attendez, il faut que vous regardiez quand elle le vide. Oui. Regardez. C'est pas du jus, c'est une boule. Oui, moi, ce qui m'amuse, c'est quand ça sort comme. Après, il y a la cicatrice. Non, il y a trempage. La peau sur la boule. Attendez, non, là, c'est une boule, c'est pas du jus. Vous voyez quand elle l'ouvre. Ah, elle l'ouvre après ? Monsieur Boule. Bien sûr qu'elle l'ouvre, elle peut pas résister. Il y avait une promesse de jus, et là, vous nous montrez des boules. C'est vrai. Elle l'ouvre. C'est ignoble. J'ai arrêté. C'est vrai que ça fait des battements de cœur. Maintenant, je vais vous montrer la tête de chou-fleur. Et après, on arrête. Et après, on arrête. Non, mais viens, on met un porno. Après, non, mais moi, je l'ai dit à ma meuf hier, on regardait. Donc, je vais vous montrer la tête de chou-fleur. Quand j'ai vu la tête de chou-fleur qui se faisait opérer, j'ai dit, je ne pourrai plus jamais bander. Vraiment. Ah bon ? J'ai les images. Moi, depuis hier, je ferme les yeux, j'ai les images. C'est trop hardcore. Ça, c'est vraiment oui, trop ça hardcore. Oui, mais c'est de la chirurgie esthétique. Enfin, pas esthétique du tout. Attends, merde. C'est des opérations. Ouais, ouais. Moi, j'avais vu des vidéos oui, où ils se percent des trucs, tout oui, ça. Oui, c'est du ça pu. Ça sort un petit peu. Voilà. Sympa. Là, c'est next level, là. Ouah, papa. Voilà, et moi qui pensais vous parler un peu de qui veut être mon associé. Voilà, en fait, je veux pas en parler. Qu'est-ce que c'est qui veut être tu vois pas cette émission non. sur M6 Non. Où c'est des mecs qui viennent pitcher leur boîte. Ah oui. Et en face d'eux, t'as des investisseurs et disent oui. Ah, moi, je veux investir 100 000 balles pour 6% dans ta boîte, etc. Okay. Et je me suis maté ça à fond en ce moment et ça me fait pleurer. Ah oui. Regardez. Ouais. Bon. C'est elle, la tête de chou-fleur. Non, mais c'est pas possible. Poulpe, viens, on arrête ça, pardon, mais. C'est insupportable. Elephant Man, mon pote. Non, mais c'est pas pareil. Non, ça c'est autre chose. Là, c'est pardon, c'est pas des pustules. Là c'est autre chose. Là, c'est une maladie. J'arrête. On n'est pas dans les boutons là. Non, on n'est plus dans les boutons là. Non, on est dans la chaîne. Non. Alors, vivement ou l'enfer ? L'enfer. Ah putain, l'enfer, non, malade. On veut ça pas. Dis-moi dans le chat là. H59. Tira toi. On peut se calmer un peu là sur les commentaires. H59, ça fait 20 fois. J'ai capté sur les JO. Ah d'accord. 20 fois. Aïe aïe aïe. C'est l'histoire. Ouais. Bon, alors, dans le chat, Dr Pimple Popper, c'est l'enfer à 80%. Bah ouais, mais bien sûr. Non, on veut toi, pas. Enfer, l'enfer aussi, enfer, toi. Ah non, mais jamais de la vie, jamais de la vie. C'est mort. Et en même temps, je vous assure, regardez ça, tu vis pas ces émotions d'habitude. Non. Il y a un truc où tu hurles, t'es en... Non mais c'est moi, incroyable, j'avais moi, jamais vécu ça. Il m'en faut beaucoup pour me mettre malaise. Tu vois, vraiment un truc de pas bien. Je peux mater des trucs hardcore et tout, ça. Non mais moi j'ai hurlé pendant 2 heures, je me suis fait 4 épisodes, j'ai hurlé 2 heures. T'as bien regardé tout quoi. Bah il y avait des moments où je faisais comme ça, ouais. Je pouvais pas regarder, et puis au bout d'un moment en fait je regardais parce que ça devient graphique tu vois, et c'est... Bon enfin voilà, bref, donc c'est Dr Pimple Popper sur Prime Video ou sur son compte Insta. On va enlever ça. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de commentaires sur le guacamole depuis tout à l'heure. Ah, je suis. Ouais. Ils disent peut-être le guacamole a un nouveau goût depuis. On va passer à la dernière reco. Mon Joachims.
Ah, t'as fait deux recos. Ah oui, ouais, bien sûr. Bien joué. Il faut lire la presse. Alors, je vais vous parler de quelque chose. On en a beaucoup parlé, notamment parce que récemment, ils ont reçu plusieurs Césars. Il a reçu plusieurs Césars. C'est le film Le règne animal. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu j'ai as vu ce vu. Film non. de Thomas Caillet. Ah, tu ne l'as pas vu non, aussi pas. Oh là là, génial. Écoutez, ce film, pour moi, c'est un film total. J'en avais parlé, ouais. J'en avais parlé il y a 3-4 émissions. C'était pas encore sorti, mais était sortie la bande originale du film, qui a été fait par un de mes chanteurs préférés, qui s'appelle Andrea Laszlo De Simone, qui est un chanteur italien, qui a un univers très particulier, très évanescent comme ça, et qui a composé toute la BO de ce film-là. Donc, double plaisir pour moi, quand je savais qu'il faisait la BO, donc je suis allé voir aussi ce film pour ça. Et déjà, avant de vous raconter l'histoire, je vais vous raconter plutôt tout ce qui m'a plu. Ce qui m'a plu, c'est que c'est un film sensible, intelligent, brillant, mais brillant, sur la société dans laquelle on vit, mais avec beaucoup de métaphores. C'est interprété magistralement par surtout Paul Kircher qui joue le fils de Romain Duris, qui est un acteur incroyable. Je ne connaissais pas cet acteur Paul Kircher. Je suis pas sûr, je pense que c'est son premier ou deuxième film. Enfin, c'est vraiment, il est impressionnant. Romain Duris est très bon également, mais il y a Edel Exarchopoulos également, pardon, j'ai un peu bégayé sur son nom. Adèle Exarchopoulos aussi dans le film qui joue une flic. Et c'est pour moi, ça raconte plus que tout ce qu'on en a dit sur... Je vais vous raconter ce que ça raconte, pardon. Ça raconte l'histoire d'un homme et de son fils qui, à un moment donné... Doivent se partir de là où ils habitent pour aller dans la nature. Je ne vais pas vous raconter pourquoi. Et il se trouve que le garçon commence à se transformer. Il se trouve que dans la société, c'est un film fantastique, dans la société dans laquelle ils vivent, il y a des humains qui se transforment en animal. Et c'est une sorte de virus comme ça. Donc c'est un peu une métaphore avec ce qu'on a vécu également. Mais ils se transforment dans des animaux vraiment différents. Ça va de ça va être des ailes, d'autres avec un batracien, peu importe. Rapport à leur caractère ou pas du tout? Ouais. Je pense pas que ça ait un rapport. En revanche, pour moi, c'est un vrai film sur le moment entre l'enfance et l'adulte, à savoir l'adolescence. La pubertad. C'est cette transformation. Et d'ailleurs, cet enfant l'exprime vraiment très bien. Lui est face à cet enfant, il n'arrive plus à le comprendre. C'est vraiment quand t'es parent, avec un enfant que tu vois grandir et à un moment donné, tu commences plus à le capter, il commence à trop grandir. L'autre, il essaye de se détacher, toi, etc., etc. C'est absolument, pour moi, un des plus beaux films de ces 5 dernières années. Ah ouais, car... vraiment. Bah, faut y aller. C'est exceptionnel, tant dans son propos que dans son image, dans sa musique, dans son interprétation. Franchement, il n'y a rien à jeter dans ce film. Okay. Rien du tout. Voilà. Voilà, tu nous as bien fait parler de gueule. Bah, alors, elle n'a pas posé la question. Elena, alors Poulpe, vivement ou l'enfer? Bah vivement de ouf. Vivement de ouf. Bah, oui. Moi, je me sens con de pas encore l'avoir vu. Ce sont tous les films bien. Il y a énormément de films bien qui sont sortis. Ouais, j'ai rien vu. Zone de film terrestre. Le règne animal. Anatomie d'une chute. Continue. Je les ai vus aucun. La zone d'intérêt. All of a Stranger. Je l'ai pas vu, il paraît que c'est... Dali, vu. Dali, tu l'as vu? Ouais. Très bien, Edouard. Pas dans la liste des bons films, si? Ah bon? C'est-à-dire? Il y a une liste? Je sais pas. On m'a pas dit que c'était... Ah si? Moi j'ai entendu que Edouard, du bien, moi. Est super. Okay. Ouais. Moi j'ai entendu plein de bonnes choses dessus. Ouais, Edouard, franchement, moi j'ai rigolé. T'étais bien morte de rire. Morte de rire, non, mais j'ai rigolé. Okay. J'ai eu des petits sourires. C'est bien, c'est pas mal. Et j'ai une ambiance. Et dans le chat, règne animal, vivement à 76%. Hey. L'année de ma naissance. Oh. Voilà. C'était fait exprès. Ok. Trop bizarre. Mais oui, et alors Romain Duris, bien? Ouais, bien. Au début, j'ai un peu eu du mal. Parce que je me suis dit, ah putain, il en fait un peu des caisses. Et je le connais trop dans ce type de rôle-là. Mm. Mais en fait, l'histoire est tellement folle. C'est tellement beau. Franchement, je pourrais en parler pendant des heures.
c'est ce gamin est tellement incroyable, ce que ça transmet comme message sur la nature, sur... Enfin, c'est, franchement, il était nommé dans les révélations, je crois. Lui était nommé, il n'a pas eu... Le fils. Le fils, il était nommé. Ouais. Non. Moi, j'aime bien faire des blagues. C'est vraiment sérieux. C'est ça, voilà. Mon humour. Oui, non, pas du tout. C'est mine de rien. Je fais des donc, blagues. Voilà. Tac, tac. Ouais, j'ai hâte. J'ai hâte de voir. Ouais. Est-ce que toi, tu as un truc à recommander en ce moment, à part les tortillas? Oui. La zone d'intérêt, j'ai vu, très très beau film, très intéressant, grosse claque. J'ai vu aussi le spectacle de Pomera. Les machins et légendes. Contes et légendes. Sur notre époque, c'est joué par des très jeunes personnes et c'est une grosse claque aussi. Ok. Sur les réseaux, comment on gère tout ça, notre époque. Ça parle de ça, putain. La jeunesse, le genre, pas le genre, mais c'est joué par des jeunes. Ils ont un langage de jeunes, enfin, la mise en scène est folle. Et tu ressors, t'es un peu, tu parles pas avec tes potes tout de suite. Si tu rentres te coucher, tu prends pas un verre. Tu digères le truc, ouais. Et bon, on en reparle demain, ouais. Ah, ça te retourne, carrément. Ouais, c'est une claque, tu dis, ok, je vais réfléchir. Enfin, je sais pas, tu fais pas la fête, genre, tout de suite. Donc, il vaut mieux boire un verre avant, regarder la pièce et aller se coucher dessus. Ok. Ouais. Et qu'est-ce que tu recommanderais comme restaurant? Comme restaurant. Ouais, parce qu'en fait, là, tu vois, tu disais, sortir avec les copains et tout. Où est-ce qu'elle sort, Elena Noguera? C'est vrai. C'est quoi ces petites adresses secrètes? Elle est quelle ambiance? C'est quoi son elle à Paris, à cette Elena? Ouais. Je sors pas beaucoup. Ok, super. J'ai du mal à... Là, je mange des trucs parce qu'ils sont là. Mais sinon, normalement, je mange pas des choses industrielles, etc. Donc, je fais beaucoup à manger à la maison. Mais j'aime bien, dans le 18e, j'aime bien aller... à la mascotte, j'aime bien le Corso qui est avenue Trudaine. Évidemment. J'aime bien les petits gros qui sont avenue Trudaine aussi. Mais des petits troquets, il y a le Rêve qui est rue Colincourt, qui est un petit bar. Corso, à l'époque où j'étais pas végétarien, les pâtes à la saucisse là. C'est très bon. Ouais. Moi je les mange pas non plus, mais moi je les mange à Arrabbiata. Par exemple, hier j'y suis allée et en dessert j'ai pris le même plat. J'ai pris deux plats de pâtes. T'avais besoin de prot. De féculents. T'as grand besoin de féculents, apparemment. T'as pris deux fois des assiettes de pâtes. Voilà, en dessert, j'ai repris les mêmes pâtes. Tiens. Ouais. Super. Quel est son secret? Laisse parler la folle encore. Voilà. On aime bien faire l'émission, hein, tu vois. Là, viens, on fait une émission que sur la folle. Donc t'es pas bec sucré, t'es bec pâte. Pâte à mort. Ok. Des pâtes, tu peux en manger tous les jours. Ok. J'adore. Tu fais tes pâtes? Et... Tu veux dire la pâte elle-même? Oui. Non, je fais des sauces, des pâtes. Mais j'ai jamais tu fait juges, les pâtes. Hein non, pas du tout, je m'intéresse. J'ai jamais fait les pâtes moi-même. Ok. Mais qu'est-ce que je peux vous dire? Je pense que je peux taper les personnes qui font des pâtes. C'est un peu agaçant. Oh, ça va, c'est bon. Facile, on peut pas... Non, mais tu peux pas en arriver à ça de ta vie pour en plus faire les pâtes. Alors, moi, j'ai voulu faire mes pâtes. Oh, ta gueule. Donc, je me suis acheté une machine. Tu m'agaces. Tu sais, à faire le truc. Ça m'agace. En fait, j'ai jamais réussi à monter la machine. Ça, c'est trop bobo pour moi. Trop bobo. Too much. Et j'aime bien parce que tu sais, tu mets de la farine partout. Non, j'adore la cuisine, mais de là à faire ses pâtes, c'est. Vraiment. Ouais, mais quand... Ou son pain. Je suis sûre que tu fais ton pain. Moi, je fais pas mon pain. Moi, je le fais. Le mec qui arrête pas de défendre. Tu chies sur les pâtes et par contre, tu fais ton pain. Non, ça n'a rien à voir, le pain. En tout cas, merci pour ce voyage dans la planète culinaire d'Elena Noguera. Voilà, petit troquet. Donc, 9e arrondissement, plutôt 9e. 9-18. Ouais. Et sinon, j'aime bien les vieilles brasseries à l'ancienne. J'ai découvert un bouillon qui s'appelle Julien et qui est rue du Faubourg Saint-Denis. Et qui est vraiment beau, comme dans le temps. Bon, ben, Chartier, on connaît les vrais bouillons d'antan. Et sinon, les brasseries, quitte à payer un peu cher, j'aime bien les brasseries comme chez Mollard ou Terminus Nord. Ah ouais, sont tu dans fais ça. Ouais. J'adore la nappe blanche en pâte en tissu, pas le papier. Veplaire aussi, mascotte. Donc, Mollard. Le Grand Colbert, etc. Et t'as un péché mignon dans ces brasseries-là? Mais en fait, comme je mange très peu de choses, mis à part beaucoup de pâtes. Tu vas pas à la Closerie des Lilas, toi? Je veux bien aller à la Closerie des Lilas, j'adore, bien sûr. Ouais. Donc c'est ou des frites avec de la sauce béarnaise, ou des fruits de mer. Des fruits de mer. Ouais, ou des fruits de mer, ou la soupe à l'oignon. Moi, c'est œuf mayo. Ou l'œuf mayo, ou les poireaux. Pas vinaigrette, mais pas de poisson, j'essaye d'éviter les animaux morts. Oh, t'es super.
super. Ouais. Elena, j'ai une passion depuis une semaine. Ah, qu'est-ce que c'est ? Je n'arrête pas de regarder des vidéos de mecs qui font de la pêche au gros. Vous ? Je sais pas pourquoi. Tu sais, un jour, j'ai dû cliquer sur une vidéo et depuis, j'ai que des propositions de vidéos de mecs qui pêchent au gros, okay. Donc au large. Donc c'est des énormes poissons. Donc en général, c'est dans des océans un peu exotiques. Ouais. Et ils pêchent et après, ils font à manger sur la plage qui viennent de pêcher dans des noix de coco, tout ça. Là. Toi, t'es végétarienne. Ouais. Ouais. Moi, je suis végétarien. Si, je trouve ça pas mal parce qu'il est pêché lui-même comme ça. Je suis d'accord. C'est-à-dire, il n'y a pas d'industrie. Attends, tu le ferais avec moi, toi ? Je suis pas sûr, mais je pourrais te regarder et te dire ouais, mais il y a un peu de sang et tout. Il y a un peu de sang et tout, parce que quand tu chopes les poissons, tu le claques. Mais attends, je vois, tu veux le faire ? Ah ouais. Ah oui, c'est ça en fait. Maintenant, il tu veux pas le faire avec moi ? Il est à step 2. Mais faire quoi ? Mais qu'on parte faire de la pêche au gros ? La pêche au gros, donc c'est en haute mer et tout ? Ouais. Bah. Enfin, haute mer, Non, mais c'est passé au lac Léman. Quoi. Non, mais c'est à une demi-heure de la côte, quoi. Mais c'est en pleine mer. T'as un plan bateau. Non, mais si ça te branche, j'ai bien envie d'organiser ça. Bah, végétarien. Oui, donc voilà, c'est ça, quand, c'est ça. Quand on tourne plus, on en reparle. Quand on tourne plus, j'ai une image publique. Mais on en reparle. On va passer maintenant à... Je croyais qu'on pouvait avoir tout type de conversation. On peut parler des gros boutons dégueulasses, mais pas de la pêche au gros. Mais il est végétarien. Mais je suis végétarien, ouais. Mais tu bouffes les boutons, là ? Mais non, jamais. Il y a eu un sondage dans le chat, les pâtes. Et les gens étaient à balle sur les pâtes. Bah bien sûr. Bah oui, les pâtes, c'est quand même... Dès l'enfance, ça se voit, les enfants, tu dis, tu veux manger quoi ? Des pâtes. Ma fille, des pâtes. Mais oui. Pâtes, tout le temps. C'est du sucre, hein, c'est un peu... Oui. Après, quand on est pâtolique, on devient alcoolique, parce que c'est du... T'as un truc, c'est la religion, les pastafariens. Tu connais ça ? Les pastafariens ? Tu connais ça ? C'est une vraie religion. Ah ouais ? Pastafari, attendez. Ouais, tu confonds peut-être. Dire... Ah, non. Non, tu confonds. Il vient d'inventer. Avec... Ouais. Pastafari. C'est Rastafari. Alors, écoutez. Pastafarisme. D'accord. Regardez, là, vous pouvez voir. Pastafarisme. C'est les foot spaghettis. Regarde, il y a même. Ah ouais. Le pastafarisme. C'est les foot spaghettis. S'oppose à l'enseignement du créationnisme dans les écoles publiques. Ouais. Et dans la divinité sympa, et le monstre sympa, en spaghettis volant. Bah tu vois, je pense qu'avec eux, tu peux faire un dîner pour expliquer ta dictature. Ils peuvent venir, Regarde, t'as l'emblème du pastafarisme. Eux, ils peuvent venir. Voilà. Oui, je pense qu'eux, ils peuvent venir dans ton... Évidemment, les religions... Bien sûr. Évidemment. On arrête. On passe à la nouvelle rubrique de cette émission bien qui va être centrée sur toi. Bien sûr. Que toi, parce que depuis le début. Toi, non, mais voilà, on se disait, voilà, on va inviter des gens et à un moment donné, c'est des gens, ils ont tellement d'ego, il faut qu'on fasse cette séquence. Mmh. Donc voilà. Bon. Si vous voulez. Allez, top on jingle. L'entretien. Étienne. Ouais. Étienne Dao Presque. Samuel Étienne. Et Samuel Étienne aussi, ça me dit quelque chose. Samuel Étienne, c'est l'animateur de Questions pour un champion. C'est ça. Pardon. T'en dégueules. Quand on parle de Samuel Étienne, tu dégueules. Elle le déteste. Questions pour un champion. alors, nous avons quatre Ah merde, j'ai oublié mes lunettes de soleil. Ah merde. Putain. Ah, fait chier. Tu veux pas y aller vite fait J'ai ma gourmette d'homme. Tu veux pas y aller vite fait Je vais chercher mes lunettes. Ah oui, il faut que tu ailles. Je vais combler pendant ce temps-là. Attends, je vais demander à Mazouz. Non, je vais combler pendant ce temps-là. Attends. On peut jouer de la musique. T'as pas de guitare. Tu sais jouer Non, mais toi, tu sais. Amène-moi mes lunettes de soleil. Tu peux jouer Non, j'ai l'espoir de jouer. Ah, c'est vrai. Tu sais que c'est toujours. J'adore. C'est un de mes plus grands fantasmes, c'est de jouer à la guitare, ouais. Je joue un petit peu, mais mal. Tu gratouilles. C'est ça. Moi, je me suis coupé le doigt. Je me suis tranché totalement le doigt. J'ai plus de pression sur ce doigt-là. Donc c'est plus possible pour moi. Ouais. Tu peux essayer le piano peut-être. Ouais. On va commencer donc cette série de quatre interviews pour connaître un peu plus qui se cache derrière le masque. La femme derrière la femme. Bien sûr. On te voit pas. Dégueu. Ah, merci. Super. Magnifique. Très sympatoche. T'as fait n'importe quoi. On peut avoir une petite serviette pour Elena la dégueu. Elena la dégueu, elle en a foutu plein par terre. Attends, bouge ça, pas. Ça, je le savais. De toute façon, en ramenant le guacamole, je me disais, non, ça y va. Guacamole, Times,
Elena, c'est n'importe j'arrête quoi. J'arrête après. Times. Regarde. Oui. Time. Foi. Ah, on dit ça ? Je savais pas. Elena, ouais. Ça dépend ouais. des métiers. Mmh. Ouais. Tu as encore parlé de la DA des Jeux Olympiques. Ouais, ça dépend des métiers. Ok, Elena. Oui. Alors, attends, je vais grossir, mais si. Non, ne dis pas cette phrase. Non, je vais grossir la typo, mais pour que je lise, mais, bien sûr, mais parce fais qu'on comme pas si nos lunettes. Tu voyais pas. Ouais, voilà. Ok. Non, mais je vois pas. Elena, t'as une carrière pluridisciplinaire. C'est ça. Où le plus important pour toi, c'est la liberté de créer, hein, la liberté de vivre, la liberté d'aimer. Et justement, sur ces points-là, j'ai l'impression qu'on se ressemble beaucoup, oui. toi et moi. Changer de casquette tout le temps, explorer, goûter, j'ai l'impression qu'on a un peu le même profil artistique. Du coup, je te propose une interview, on est pareil. Ok. Ok. Est-ce que ton processus créatif, c'est d'avoir une super idée et après de voir ensuite dans quelle forme d'expression artistique tu la développes ? Non, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Nul, on change. Moi, je dirais que je me dis, tiens, je vais écrire une pièce et je trouve quelle pièce ça sera. Tiens, je vais écrire un roman. L'inverse. Et je trouve quel roman ça sera. Ah, tiens, je vais écrire des chansons, et nanana, etc. Ah, c'est marrant. Ou tiens, on m'a engagé, la semaine prochaine, je vais tourner un film, là, je peux rien dire. Donc, c'est-à-dire que, toi, à tu un moment de donné, tu dis, voilà, tu dis, je veux faire un livre. Voilà. Et tu réfléchis. Et ça a une forme spécifique, enfin, c'est-à-dire ça peut avoir qu'une histoire spécifique. Parce que le théâtre, c'est un seul décor. Okay. Si je veux écrire au théâtre, il me faut un décor, il faut tout le financement aussi. Ouais, je ouais, pense à combien d'acteurs, le coup plateau. Donc il faut que je sois quand même dans quelque chose de réaliste. Alors que le livre, si je veux, je le mets sur un bateau et je traverse tout le monde et on est c'est alors, un film d'époque. Alors pourquoi tu vas te dire, tiens, oh, là j'ai envie de faire un livre. À quoi ça tient ça ? Eh bien, c'est vrai, à quoi ça tient ? Elle est passée dans une librairie. Ben voilà, ça tient à ça. En fait, là, en ce moment, par exemple, écoute j'écris des pièces. Aussi, j'aime bien. Écoute la folle. J'ai envie de faire une émission. J'écoute la folle. Que je pourrais enfin, tu vois, arrêter de me comporter. De te cloisonner. Très poliment. Mais bien sûr. Donc oui. Qu'est-ce que c'était quoi ? Ah, oui, moment. Voilà. En ce moment, je dis des pièces de théâtre, c'est faisable et. C'est un petit peu plus rentable à mon niveau qu'un livre. En fait, quand j'écris un livre, c'est zéro franc. Ouais. C'est vraiment des actes gratuits. Ouais. Il y a plein d'actes artistiques qui sont des actes gratuits parce que tu ne vas pas vivre ta vie avec. Et au théâtre, il y a un petit peu plus. Pas énorme, mais... Donc là, tu attends, penses... Je pose une question, je pose une question, pardon. Vraiment, ça n'a rien à voir. Mais tu parlais à un moment donné de... tu casses un peu le code de la fille un peu ouais. gentille, etc. T'as jamais été photographié par Pierre et Gilles ? Si, vachement. Ouais. Parce que quand t'as dit ça, je voyais en toi un truc un peu à la Pierre et Gilles, ouais. en icône. Ouais, ouais, j'ai fait. Ouais. Ça m'étonne pas du tout. J'en ai fait beaucoup. Ça m'étonne pas du tout. Plus jeune, ouais, j'ai fait beaucoup. Ouais, bon, bref, pardon, c'était une petite parenthèse. Et donc là, en ce moment, c'est pièces de théâtre ? Là, j'écris des pièces de théâtre, ouais. À plusieurs, donc plusieurs comédiens sur scène ? Avec plusieurs comédiens, ouais. Et puis, mais j'aime bien écrire des livres. Le rêve ultime, c'est d'écrire des livres. D'être et d'en seul. Vivre. Et d'en vivre, mmh. et de plus mmh. aller jouer, se battre pour faire monter la pièce, mmh. jouer dedans, etc. Le rêve ultime, c'est vraiment cette espèce de solitude dans une maison où... Sur un bateau, et tu pêches. Sur le bateau, tu pêches. Cette solitude où on ouvre un poisson, on l'ouvre, et on écrit. Et on vide et le poisson. Ah, Hemingway, poisson. Pardon, Hemingway. Voilà. Ouais. Toi, c'est Hemingway, moi, c'est plus Colette. Ouais, ouais, je comprends. Le lit, les chats. Ouais, ouais. Voilà. Danser nu en ouais. même temps, quand même. Ouais. Cabaret. Est-ce que, je reviens à mon interview, ah oui. est-ce que le fait de mener plusieurs activités artistiques de front, des fois, ça te fait te sentir seule parce que t'es l'unique moteur de ta carrière ? Ah, la solitude ! Il y a des chansons qui s'appellent Solitude. Oui, oui, la solitude, c'est un petit peu... On est pareil. Ah ! On est pareil ! C'est triste. Ouais, c'est un petit peu triste, ouais. la solitude. Et en même temps, on la cherche, on en a ouais, besoin. Ouais. Donc, c'est à double tranchant, mais est-ce que tout le monde se sent pas seul, au fond, au fond, au fond ? Est-ce que le... Ah oui, pardon, je faisais une... Est-ce que le fait de faire avancer plusieurs projets en même temps, des fois, t'as l'impression d'être nul partout en même temps ? Moi, non.
mais on n'est pas pareil. T'as l'impression d'être forte. Moi, j'ai l'impression d'être forte. Ah, c'est génial. Oh, moi, j'ai une sensation, honnêtement, la plupart du temps, d'être un peu une guerrière. Tu doutes guerrière. Jamais? En fait, oui et non. C'est-à-dire que le doute, c'est la base. C'est-à-dire qu'a priori, tout le monde me dit non et qu'il n'y a pas de place pour moi, etc. Donc, j'ose taper aux portes. C'est-à-dire que si j'ai un talent, le premier talent, ce serait le culot. Ouais. S'il faut, s'il faut demander à Iggy Pop de venir chanter, je demande à Iggy Pop. Si j'écris des lettres à des gens, en principe, ils disent non. Mais des fois, ils disent oui. Mmh. Et tu vois, je me permets, je m'autorise tout. Je vise haut. Là, quand j'écris des pièces, je les écris pour des actrices que j'adore et qui sont ultra trop célèbres. Mmh. Eh bien, sans doute qu'elles diront non. Ouais. Mais je leur propose quand même. Mais tu oses. Oui, ouais, ouais. Je les appelle. Je dis bonjour, je m'appelle Elena. Je trouve les numéros. Enfin, ouais, tu vois, c'est une espèce d'anguille. Ouais. Qui remonte ses manches et qui y va et qui a pas. T'as toujours j'ai été pas comme d'orgueil. Ça. T'as toujours été comme ça depuis le début. Depuis petite, j'ai pas d'orgueil, c'est-à-dire si on me jette, je suis triste, mais je me baigne pas dans ma tristesse. Tu vois, je me la permets deux minutes. Ouais. Mais donc le syndrome de l'imposture, tu connais pas. Il est aussi là, mais en fait, je me sens solide. En fait, pourquoi je te dis ça, c'est qu'une fois que t'as créé quelque chose, tu te dis pas, oh, c'est pas ma place. Non, pas du tout. Non. Bah, c'est la place de personne, en fait. Tout est code. Mmh. Rien. En fait, c'est un réel imaginaire, nos vies. C'est-à-dire... Mais oui. Je vais venir habiter au Tadjikistan, là, dans ton pays, là. Mais c'est un réel imaginaire. Par exemple, les frontières. Mmh. C'est un réel, parce qu'on fait comme si ça existait. Toi, t'as un képi. Et moi, j'ai un papier. Je dis oui, bonjour, monsieur le policier. Bien sûr, j'ai des papiers. Je m'appelle Elena Noguera. Mais oui. Et lui, il a son képi. Il dit attends, parce que là, c'est l'Allemagne. Et là, c'est la France. Et donc, il me faut tes papiers pour que je sache que c'est toi. Oui, monsieur, j'ai des papiers avec ma photo. Oui, tu peux passer. Va dans mon Allemagne. Mais ça, c'est. Continue, je t'en supplie, continue. Ça encore, n'existe pas. Encore la situation. C'est un réel imaginaire. Non, mais c'est vrai. L'argent, t'as raison. C'est un réel imaginaire. C'est-à-dire que nous fonctionnons, êtres humains, sur une réalité qui est une fiction que nous nous sommes inventés. C'est-à-dire nous sommes des êtres de fiction. On a, on a besoin de payer pour dormir à un endroit. Voilà. Mais l'argent même en lui-même n'existe pas. Qu'est-ce qui existe? Manger, respirer. Dormir, ne pas avoir froid, ne pas mourir de... Mmh. Mais oui, sinon, mais création, après, on a inventé... Oui, enfin, pardon, je suis d'accord avec toi, sauf que quand t'es... On est tous créatifs autour de cette table, c'est... pour moi, manger, dormir, c'est des essentiels, mais comme la création, pour moi, ça, c'est un essentiel aussi. C'est au un essentiel. Que le reste. Oui, c'est un essentiel, sans doute, que... Pour garder ma tête saine. Oui. Parce que quand il n'y avait rien, quand il y avait les hommes de Cro-Magnon et qu'ils étaient cueilleurs et qu'ils n'avaient pas encore inventé toutes ces règles imaginaires qui sont devenues réelles, il y en avait quand même qui avaient envie de peindre des petits dessins pour témoigner de ce qu'ils avaient vu. Donc oui, sans doute que ça, c'est une nécessité. Mais après, la réussite, c'est un code social. Donc je ne peux pas m'y attacher et m'y accrocher. Parce que sinon, c'est du malheur. Moi, ce que je veux, c'est, tant que je suis vivante, essayer de ne pas avoir de malheur. Faire ce qui te plaît. Le vrai malheur, c'est souffrir physiquement. C'est la douleur physique. C'est l'accident. Ça, c'est des malheurs. Ah non, je ne chante pas à l'Olympia et je ne vends pas des millions de disques comme Madonna. Ben, c'est pas grave. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, c'est pas... Mais faire. Ce qui t'intéresse, c'est de faire. C'est ça. C'est bien. Oh, il y a Eddie Mitchum qui dit dans le chat, je l'adore. Bah oui, oh, vous êtes gentil, on l'adore. Merci. Est-ce que tu fais pipi assise? J'adore souvent, la transition. Mais je sais faire pipi debout. Pareil, on est pareil. Ah, génial. Je sais faire ça. En fait, quand j'étais petite fille et j'avais un frère, eh bien, quand je faisais pipi aux toilettes, il aimait bien, il faisait pipi debout avec moi, parce que j'avais une petite fesse, donc je remplissais pas l'entièreté du machin. Okay. Aujourd'hui, ce serait moins facile. Mmh. Et donc, il faisait pipi debout, en même temps que moi. Et je me suis dit, bah, ça a l'air vachement pratique. Donc, sans gêne, je me suis entraînée, et c'est un petit coup à attraper. C'est très pratique pour les festivals, notamment. Ouais, il y a un petit coup à attraper. Après, t'en mets un petit peu plus partout que vous. Vous avez quand même une petite goutte aussi. Ouais, pardon. C'est vrai, notre petit, petit atout charme. Si vous n'avez pas le... si c'est un peu pipi nature, il y a quand même une petite goutte qui reste collée aussi. C'est notre personnalité. Voilà, et bien nous, un petit peu plus aussi... Enfin, voilà,
C'est pas net, 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 c'est pas... Une fois, j'avais fabriqué, et j'étais ivre mort à une soirée, et il y avait un jardin. Et je flirtais avec une fille, et je lui dis, pardon, je suis désolé, il faut que j'aille faire pipi dans le jardin. Et elle m'a dit, c'est dégueulasse parce que vous avez cette chance que nous, on n'a pas. Et j'ai pris une assiette en carton, et je l'ai pliée, et je dis, eh ben, viens faire pipi debout avec moi, je te fabrique un pisse debout. Et on est allé pisser. Attends, on est allé pisser tous les deux côte à côte debout. Oh, magnifique. En se roulant des pelles. Waouh. C'est beau, hein, cette histoire. Beau. Et ouais. Depuis, ça existe ce truc-là. Hein. Ouais. Le pisse debout. Ouais. Le pisse debout, c'est distribué dans tous les d'ailleurs festivals. Ouais, ouais, de ouf. Mais sinon, c'est un petit. C'est un petit, quoi, un petit geste, j'ai l'impression. Un petit geste, ouais. J'ai l'impression que c'est ce qu'on peut appeler la prise du cobra. J'ai l'impression. Ouais, c'est une petite prise de cobra. Bah, je m'en suis inspiré pour créer la mascotte de Paris 2020. Voilà. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je me suis inspiré de tout, cette, voilà, de tout ce que tu viens de dire. Elena, est-ce que le fait de travailler pour d'autres artistes, est-ce que c'est un peu comme des vacances par rapport à tes projets perso? Oui, c'est très agréable. C'est un peu le rêve ultime. J'aimerais bien. Donc, pareil. Ah. Ouais, pareil. J'aimerais bien m'extraire, en fait, de tout ça. J'aime bien faire, comme tu disais. Et donc, si quelqu'un d'autre pouvait porter mes mots, jouer au théâtre mes pièces, ou apparaître et répondre du pourquoi, du comment, vous avez fait ci, vous avez fait là, et c'est quoi vos secrets beauté, tout ça, ça me serait pratique. Est-ce que t'es mal à l'aise quand les gens dans la rue te disent qu'ils t'aiment? Non, si c'est dit comme ça, non. En fait, ce qui me rend mal à l'aise, c'est quand il dit « je t'aime ». Ça, c'est plus chiant. Vas-y. Non, vas-y, je t'aime. Non, mais c'est tout ce qui est cette société qui a créé, justement, qui nous a iconifiés. C'est-à-dire, ils ont, tu vois, quand on fait un article dans les magazines et qu'une pensée qu'on a dit est écrite en gros, comme si on avait fait un truc philosophique un peu, tu vois, d'un seul coup, c'est là en exergue, donc il y a des photos, on est magnifique, et les gens, ils croient qu'une vedette, c'est bien d'avoir un selfie avec, et donc cette subordination que les gens m'expriment en me demandant un selfie à côté d'eux, me met à un endroit où je ne peux plus communiquer avec eux, où je suis sur un piédestal qui me mettrait mal à l'aise, parce que je ne veux pas être là. Donc je semble agressive. Tu refuses? Ouais, des fois je dis, ce sera rien, mais en fait ça semble agressif. Comme ça. Ça semble agressif, mais en fait c'est parce que je veux les sauver de quelque chose qui pour moi est une perdition inutile, c'est-à-dire je ne vaux rien à part est-ce que tu as aimé ce que j'ai proposé. Mais quand les gens ils me disent, vous êtes connu, mais dans quoi je vous ai vu, je dis, ça n'a aucune importance, parce que si vous aviez aimé ma proposition, il n'y aurait pas cette question, donc on s'en fiche de ma célébrité. Ce qui importe pour moi, c'est est-ce que j'ai fait quelque chose qui vous a apporté une joie ou pas, et quand bien même vous ne me connaîtriez pas, ça n'est pas important. Or, on gratifie, on valorise le vedettariat, l'exposition, le fait que les gens deviennent des vedettes, et donc il faut le selfie, le machin, et ça m'angoisse. Mais pour eux, pour l'humanité, c'est pour ça que je vais être dictateur. C'est qu'en fait, j'ai une angoisse de ce que devient l'humanité. Ça m'agresse. Et vraiment, dès qu'on change d'iPhone et qu'on se rend compte qu'on a vraiment trop de photos sur notre disque dur qu'on ne regarde jamais. Et il y a tellement de selfies avec Tex. Dernière question, Elena. Est-ce que tu penses qu'il faut qu'on aille voir un podologue pour cet ongle de pied qui est un peu strié depuis qu'on a depuis quelques années? Pareil. Pareil, on est pareil. Je pense qu'il faut y aller. Génial. Je pense qu'il faut y aller. Moi, super. Je ne l'ai pas, cet ongle. Ah, d'accord. Mais si je l'avais, je pense que j'irais. Ok, d'accord. Moi, je vais beaucoup chez les docteurs. J'aime bien. Ah ouais. T'es hypochondriaque? Non, mais je suis très prévoyante. Oui, t'es hypochondriaque. Très prévoyante. Montre toute la folie. On va passer à l'interview de... Merci pour Je vous en prie, merci de vous intéresser à mes petites pensées. Ah, c'est pas fini. Non, mais... Parce que la conversation badinante et sympathique. C'est un puits inépuisable. Ah, oui. Puits sans fond. Inépuisable, c'est vrai qu'il y a puits dedans, j'avais jamais pensé. Ouais. Je te propose une interview qui s'appelle Un nom, une anecdote, une histoire, un sentiment.
Okay. Un nom, une anecdote, une histoire, un sentiment. Alors, tu le fais comme tu veux. C'est-à-dire que je vais te donner un nom. Okay. Tu me dis, tu me racontes une histoire, tu me racontes un sentiment, une anecdote sur le nom que je vais te donner. J'espère que j'ai compris. Tu peux aussi, s'il y a des noms qui sont trop compliqués ou tu ne veux pas en parler, on peut passer au suivant. Joker. Joker. Exemple. Ok. Je vais commencer par peut-être voilà, Léna. Léna ? Oui. Ah, Léna, c'est le prénom de ma maman. Et ma maman, elle est un petit peu aux fraises en ce moment. Et c'est bizarre. Okay. C'est bizarre quand ta mère sucre les fraises. Ouais. Ouais. Je connais ça avec ma grand-mère, pour le coup, qui a 102 ans, là, mais... Waouh, wow, c'est pas mal. Ouais, mais qui a un peu perdu la tête, là. Ouais, c'est pas mal. Mais j'ai beaucoup ri avec Léna, et elle a été une maman très fantasque. Ah, c'est incroyable, une histoire incroyable, quand même. Partie du Portugal, sous Salazar, tout ça. Elle est partie, donc elle est mariée, je ne sais plus en quelle année, si moi je suis née en 69, à mon avis elle se marie en 60, elle doit avoir dans les 18 ans. Mmh. Et puis elle a deux enfants, deux premiers enfants, et puis elle veut se séparer de ce type-là qui n'est pas cool. Et en fait elle ne peut pas, au Portugal ça n'existe pas à cette époque le divorce. Donc elle se sépare de corps, et quand elle rencontre mon père, l'autre monsieur commence à faire un procès. Donc elle a perdu la garde de ses enfants parce qu'elle a été décrétée femme indigne. Et au même moment, mon père est appelé à la guerre en Angola. Mm. Et donc il décide de partir. Lui, il dit, mais je veux pas aller. La Belgique, putain. Et donc voilà, et il décide de fuir. Donc lui, il dit, je vais être un fugitif. Mm. Et toi, donc alors, ce qui est tragique, c'est que moi, j'ai grandi avec la valorisation de cet acte. Or, c'est quand même assez barbare, c'est-à-dire que ma mère a volé ma sœur, qui lui avait plus donné, et elle est partie, elle a quitté le territoire, ce qui sont des enfants volés, comme on en a entendu parler bien après. Mais moi, j'ai grandi... Pour partir en Belgique. Oui, et elle est partie en Belgique, elle a laissé mon frère là-bas, qui a été élevé par mes grands-parents, et elle est partie avec ma sœur sous le bras, et ils sont arrivés en Belgique, donc sans papier, c'était des migrants, c'est pour ça que quand je vois des migrants, moi j'ai beaucoup de... D'empathie. Ouais, d'empathie, parce que mes parents sont arrivés sans papier, ils n'étaient pas légaux, et donc ils se sont adaptés. Et puis, des années après, les premiers Césars belges, les Magritte, moi qui les présente. Ouais. Alors, je suis issue de l'immigration, je suis fille de deux Portugais, immigrants, réfugiés politiques, et je suis devenue assimilée à la culture belge. Mmh. Donc... T'as vécu jusqu'à quel âge à Bruxelles ? Ouais. Jusqu'à 15 ans. Mes 15 ans, et après je suis arrivée à Paris. Mmh. Et depuis je suis restée ici, donc je suis très, très parisienne maintenant. Ta mère est toujours à Bruxelles ? Et ma mère, non, elle vit à Paris, elle vit à Paris maintenant. Toi, t'étais Bruxelles ? Je suis Bruxelles, ouais. Je suis belge. Je suis la seule belge de la famille. Ouais, mais t'as pas du tout d'accent ? Non, mais je le cache. Des fois, tu as des petites remontées. Des fois, il remonte. Quand je m'énerve ou quand je m'excite un petit peu, que je suis un peu. Je m'oublie, quoi. Tout à l'heure, tu l'as eu un peu. Tu as une petite remontada. Ouais. Et j'ai des petites remontées où, si je picole et que je suis un peu lâchée, ça revient. Ou dès que je suis avec un Belge, eh bien, il y a cette petite mélodie qui revient. Catherine Schaub. Ah, Catherine Schaub. Catherine Schaub, émotion. Ben, vraiment, femme extraordinaire. C'est une metteur en scène qui a fait appel à moi il y a des années pour faire des lectures. Et donc, j'ai fait les lectures avec elle et puis elle m'a donné confiance. Il y a eu un festival qui s'appelait Le Paris des Femmes, qui est un festival qui donne la parole aux femmes et qui commande des pièces de 30 minutes à plein de femmes différentes. Elle était metteur en scène dans cette série. Et elle a dit, s'il y a un texte de Noguera, je veux le mettre en scène. Elle était curieuse de ma pensée, elle avait confiance en quelque chose que je n'avais jamais créé. Enfin, oui, j'avais fait une pièce, mais il y a longtemps. Et donc, elle a senti quelque chose. Elle a senti, elle avait envie de voir ce qu'il y avait derrière. Donc j'ai écrit cette petite pièce, elle l'a mise en scène, le festival a eu lieu. À la sortie du festival, il y a Jean-Robert Charrier, qui est le directeur du théâtre de la Porte-Saint-Martin, me salue et me dit « mais c'est fou d'écrire comme ça, il faut donc écrire plus long ». J'ai écrit plus long. Et c'est comme ça que j'ai remis un pied dans le théâtre, alors que j'avais écrit une pièce dans les années 1900. C'est vrai. Si vieille. 1990. T'es si vieille. Dans les années 1900. Elle a tellement d'histoires, la folle. Et donc, et depuis, je n'arrivais plus à m'intégrer dans le monde du théâtre, qui, c'est vrai, est très masculin. Et puis, il y a des chapelles, et puis
théâtre machin, machin, machin. Et moi, j'ai pas de carte. C'est un peu la vieille showgirl qui se bat comme ça. Donc j'ai... T'as souffert de cette carte peut-être plus télé, animatrice télé, etc. pour après arriver sur un truc un peu plus culturel, justement, oui. sans faire de différence. Je fais un rapide raccourci, mais t'as souffert de ça ? Oui, oui, je pense qu'il y a un vrai trajet. Après, encore une fois, comme je te dis, comme j'ai ce caractère de guerrière, en fait, tout est challenge. C'est-à-dire que je me dis, je vais changer le monde, moi, puisque je vais être dictateur. Mmh. Donc, je me dis, OK, donc les filles comme moi qui quittent l'école, qui ont bac moins 3, qui font commerce de leur beauté parce que je deviens mannequin pour mille raisons. Après, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais il fallait quitter l'école. J'étais malheureuse, j'étais pas bien. Donc, on me demande d'être mannequin. C'est un prétexte pour partir. Je me rends pas compte que le temps est irréversible, que je vais pas faire d'études et que je vais être cette fille cantonnée à être la belle fille. Mais puis, sur le moment, tu le réalises pas ? Non, non, j'ai 15 ans. Ouais. Et puis les années passent et puis d'un seul coup, je me dis waouh, j'ai pas de. Je voulais être un télo, je voulais écrire des livres et en fait, pas du tout. Ouais, ouais. Et en fait, et on me dit t'es un vieux mannequin, tu sais, tu vas pas avoir beaucoup d'avenir. À quel âge là ? 21, 22. Ah ouais, putain. Tu vois, je commence à la télé. On a connu ça nous aussi. Ouais, hein, ouais, on vous a dit ça, t'es un vieux mannequin. Hein, okay. Moi, à 14 ans, j'ai arrêté Pimki. Enfin, bref. Voilà. Et donc, tout le parcours est à chaque fois un peu compliqué. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi, j'ai l'impression d'avoir ouvert des portes aux filles de la météo d'après moi, aux filles d'aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'au départ, on disait, elle fait tout, donc elle fait rien. Il y avait un postulat comme ça qui n'était pas très pris au sérieux. Mais j'ai l'impression que je me bâtis contre. Peut-être les gens qui me disent, on ne peut pas y arriver. Je me dis, génial! Non, mais c'est vrai que ça donne une force. Ça te motive encore plus. Ça me motive, mais sans. Je crois même pas que j'ai d'aigreur, mais je fais. Ouais, tu vas voir. Ouais, ça donne de la force, quoi. Oui, j'ai envie de dire. Tu vois, de. J'ai pas utilisé l'expression j'ai envie de dire, hein, parce que. Tu l'as dit, là. Non, ouais, mais pas dans ce sens-là. Parce que je déteste quand les gens disent disent ça. Non. Non, mais ce que je veux dire, c'est j'ai envie de donner ce message que. Tout est possible sans... Non, c'est abyssal si je rentre là-dedans. Tout n'est pas possible. Alors, je vais te relancer sur un autre. Ouais, Serge Rezvani. Là, j'allais m'enfoncer. Ouais. Serge Rezvani, c'est le tourbillon de la vie. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite Thomas Angela. Voilà, la mémoire qui flanche, toutes les très belles chansons de Jeanne Moreau. Donc, c'est un artiste multicarte, qui a été peintre, qui a été écrivain, qui a écrit des chansons. Protéiforme. Et donc, j'étais fan. J'étais fan de lui. Je l'ai rencontré par plein de petits chemins de la vie. J'ai chanté ses chansons et c'est devenu un ami tendre et cher. Il a 96 ans maintenant. Ça fait 16 ans que je le... Il est toujours en vie. Ouais. Et amoureux. T'es toujours fan de lui, même après toutes ces années de travail ensemble et de complicité, t'es quand même fan ? Oui, et je comprends, c'est-à-dire c'est un peu, tu sais, les affinités électives, c'est-à-dire je comprends pourquoi aussi je l'aimais lui, c'est-à-dire que sans le savoir, il était inspirant d'hommes libres qui faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Et en fait, sans le savoir, mais ça je le sais a posteriori, j'étais un peu comme ça, je voulais faire ce que je voulais, écrire des chansons si je veux, écrire une pièce de théâtre si je veux, essayer d'écrire un livre, être actrice. Ça te va bien, le « si je veux » ? Ouais, ça te va bien si je veux. C'est ça. T'es fan de gens. Oui, mais pas comme ça. Ouais. J'apprécie, mais je crois que personne ne me subordonne. Je suis insoumise, donc je suis pas soumise à la fanatisation. Oui, je comprends. Tu vois, je me soumets pas. Il n'y a pas d'adoration comme ça, un peu bébête, qui me ferait perdre. Non, mais j'admire des écrivains, j'admire des écrivains. J'ai écrit des lettres à Christine Angot parce que j'aimais son écriture. Elle t'a répondu ? Oui. Ah, trop bien. À Christophe Honoré, tu vois. Mais j'écris une lettre en disant « j'aime » et « parce que » et j'argumente, etc. Moi, j'ai écrit une lettre à Robert Crumb, il m'a jamais répondu. Non. Oui, c'est vrai, t'as fait ça. Mais une lettre manuscrite, toi. Ouais, manuscrite. Ouais, manuscrit, hein. Moi aussi. Ouais, j'ai retrouvé son adresse, j'ai vraiment stocké le truc et je suis allé... À quel âge ? Il a 80... Donc toi, tu écrivais à quel âge ? Non, j'ai écrit l'année dernière. Ah super, j'adore, génial. Ouais, moi, je suis un grand fan de lui parce que j'aime son travail, etc. Et c'était la première fois que je faisais ça. J'ai écrit, il ne m'a jamais répondu. Il faut écrire à d'autres. Il y en a un qui répond. Lui, non, mais lui, c'est particulier. C'est lui qui a vraiment lancé mon envie, tu vois, de dessiner, de tout ça. Donc voilà, c'était vraiment à un moment donné, je suis tombé sur son adresse. Je vais lui écrire, en fait. Oui. Je lui ai écrit. Mais il faut écrire une autre.
Ouais, je veux pas être insistant. Bah. Une dick pic. Je vais peut-être lui envoyer une photo de ma bite. Hein. Non. Ouais. Je vais finir par un dernier nom. Ah oui. Je vais dire Tanel. Mais Tanel. Mais Tanel, c'est l'enfant que j'ai mis au monde, qui maintenant est un vieux monsieur de 33 ans. Avec une barbe et des problèmes de monsieur. Et il est super. Que j'ai connu petit. Petit. Ouais, ouais. Et qui est super, qui fait de la musique, qui fait du rap, qui fait du son. Et on s'entend très bien. On s'entend très bien. C'est comme un petit frère qui était mon enfant aussi en même temps. Tu l'as eu jeune ? J'avais, ouais, 21. Ouais. Qui est un âge normal pour faire des enfants, mais qui, à notre époque... ouais, jeune. C'est jeune. Ouais. Mais donc, ouais, il y avait quelque chose d'insouciant, ouais, à élever, une espèce de compagnonnage un peu... Ça n'a pas été trop... Pardon, hein, parce que bon, j'ai deux enfants, je sais que ce que c'est d'avoir un enfant, etc. Ça n'a pas été trop dur ? Ça a été facile pour toi à 21 ans, surtout à 21 ans ? Non, c'était dur, je me plaignais, je trouvais ça dur. Et en même temps, de la même manière, comme je vous dis, il y avait un côté... ouais, je fais un truc, quoi. Ouais, je fais, ouais. En fait, il y a toujours, je ne sais pas comment dire, un regard... un peu d'auteur, mais pas auteur avec H, auteur qui écrit l'histoire. C'est-à-dire, ouais, qu'est-ce qui meut ce personnage ? Et je me contextualise comme une jeune fille née en 1969 dans tel contexte, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et donc, il y a toujours une espèce de comment ça s'appelle, les gens qui étudient ça, ils sont ethnographes, non ? Ouais. En tout cas, je ne sais pas si c'est... sociologue. Ah d'accord, sociologue. Ouais, 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 et donc, du coup... Comme je suis sociologue de ta propre vie. Oui, comme je suis sociologue, je suis un peu témoin. Je me dis, elle ne va pas se plaindre, celle-là. Elle a fait un enfant toute seule, mais je vois bien qu'on n'est plus des filles mères, qu'on s'en sort quand même, que c'est dur, qu'il faut élever un enfant tout seul et que c'est compliqué. Et que quand tu ne veux pas demander un bal à un homme, eh ben, à cette époque-là, c'est compliqué encore. Et que... Tu te retrouves beaucoup dans les combats d'aujourd'hui, féministe ? Oui. Ouais, c'est super, ça bouge, ouais. ça s'endort, ça bouge, et là, ça bouge. Mais c'est des combats que tu as incarnés depuis longtemps, ouais, finalement, avec ce que tu racontes. Oui, j'étais là dans les premières campagnes d'égalité salariale. Je crois que les premières affiches dans le métro, le 4 novembre à 16h15, j'arrête de travailler parce que j'étais là. Et puis, j'étais surprise. En fait, je pensais que c'était un truc de vieille. Et puis, j'étais surprise de voir les trentenaires arriver. Ouais. Moi, j'avais dans les 40. Je pensais que c'était un truc à nous. En fait, j'ai vu les trentenaires, les plus jeunes arriver, même les gamines. Et je trouve super de voir ça. Parfois, ça fait un peu trop. On se dit « Oh !» Mais en même temps, c'est vrai que nos vies de femmes, c'est compliqué. Ouais, bien sûr. En fait, on ne se rend pas compte. Et que là, on est en train de s'éveiller. Les garçons qui sont gentils... Ah ouais, j'avais pas pensé. Tu vois, parce qu'on pense pas. Tous ces trucs-là, de comment on vit l'espace public, de la peur qu'on a en talons, de comment on fait pipi debout. Comment on fait pipi debout, pas de pipi. Faut payer les toilettes. voilà. J'ai envie d'écouter La Folle tout le temps, tout le temps. Mais je le savais, mais en fait, quand on a commencé à se parler à Camille Image, je me suis dit, putain, mais quel univers. Quel univers s'ouvre à moi. Je vais te faire une interview. C'est le format préféré de Joachim quand je fais cette interview. C'est mon format préféré, celui-là. C'est l'interview entre pros. Lunettes noires. Ça va te rappeler quelque chose, lunettes noires. Bon, alors moi, j'ai roulé ma bosse dans le métier, hein, tu vas rien m'apprendre, mais je pense que les gens, ils sont hyper impressionnés par les dessous du métier artistique, donc je te pose des questions entre pros, d'accord ? Ouais. Alors, Elena, ma Noguera, ma Nogougouze, hein, ma mannequin piece, ma merguez au milieu de ce couscous que j'aime appeler la vie. Bonjour, Elena. Ça va ? Ça va, oui, ça va. Bonjour, attention, prends un parapluie car les punchlines pleuvent. Oui. Alors, là, c'est... Ouais, il y avait des bruits de snipe. Ouais, attends, ouais. Je le mets. Non, t'inquiète, c'est fini, je le ferai plus jamais. Ah. Alors, au cours de mes interviews, j'ai serré la main de plusieurs présidents sans jamais avoir la main moite. Hein, la seule moiteur que j'avais, elle se situait au niveau de mon scrotum quand j'ai dû faire un slow avec la femme à Poutine. Et justement, toi, Elena, est-ce que t'as le trac quand tu dois présenter tes projets artistiques à des financiers ? Non, pas du tout. Intéressant, merci.
Bah, tu me connais, j'ai énormément de maîtresses. Hein. Le centre de MST de Paris m'appelle encore la corne d'abondance. Mais justement, en parlant d'école, Elena, c'est quoi ta plus grande leçon que tu as appris pour l'instant dans ta carrière? La plus grande leçon. Génial, le carrière. Exceptionnel, carrière. La plus grande leçon, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux... La tenacité. Résilience. Résilience. Enfin, pardon, je me permets. Oui, parce si tu veux. Après tout ce que tu racontes, c'est comme... Si tu veux, résilience. Je suis pas contre. La sympathie en interview. La sympathie, Non, mais il faut être laborieux, il faut du courage, en fait. Tu deviens pas artiste. De toute façon, j'ai la croyance qu'un artiste, c'est pas quelqu'un qui veut être célèbre et qui va faire des choses. On ne devient pas artiste, on est artiste. Je veux dire qu'en fait, pour moi, à mon sens, ce sont les inadaptés. C'est-à-dire, on ne peut pas faire société, on ne peut pas aller travailler à un bureau, on ne peut pas écouter quelqu'un qui va nous donner des règles. Donc en fait, comme on est des inadaptés, chacun va trouver sa manière de survivre. Et comme il faut gagner un peu sa vie, l'un va dessiner un petit dessin et le vendre 5 euros, l'autre 1 million s'il comprend les systèmes économiques et qu'il est un petit peu plus malin, un peu plus cynique. Selon un peu le caractère des uns ou des autres, il va s'en sortir et être un artiste capitaliste ou un artiste qui fait des actes gratuits parce qu'il ne sait rien faire d'autre. Mais sinon, il dessine et on lui donne un guacamole en échange. Ouais, pas besoin de régler la radio, on est sur la même longueur d'onde, Elena. J'étais avec mon pote DJ, le Bobby, le Saint-Clouse, hein, j'en place une pour toi, mon Bob tapement 5, mon Bob 5. Et l'autre soir, justement, je lui dis, dis donc, DJ, change de disque. Et justement, Elena, comment est-ce que t'as l'impression d'avoir changé depuis le début de ta carrière, hein? Comment j'ai changé? J'ai pris de l'assurance. C'est-à-dire que vieillir, c'est le temps est mon ami. J'adore vieillir, j'adore devenir une dame, j'adore avoir l'expérience, j'adore oser m'exprimer ou pas, mais je le choisis parce que je choisis de faire autrement. Mais je trouve que le temps est génial de vieillir et de devenir la daronne, c'est super. Il y a une espèce de... Tu en imposes, quoi. C'est beau, ça te va bien. Merci. Moi, je doute de rien, mais toi, super. Est-ce qu'il y a des moments de doute dans ta carrière? Bon, on en a parlé. Oui, de toute façon, c'est inhérent à la situation. De toute façon, on doute. On doute même d'être légitime, de dire « Oh là là, mais c'est de la merde » et tout ça. Mais comme on n'a pas le choix, il y a un moment, il faut y aller, il faut sortir les doigts du nombril et se présenter et dire « J'ose monter sur scène en présentant cette chanson, mais ai-je le choix ?» Non. Est-ce que tu crois que c'est ça qui fait justement la création, le doute? Parce que moi, je me pose beaucoup cette question sur le doute et c'est... Pour moi, je pense que c'est vraiment que ça qui me fait avancer. C'est le doute. Cette façon de justement de chercher. De chercher, ouais. Tu vois? Ouais, c'est possible. Je sais pas le définir, moi. Est-ce que c'est le doute? Moi, c'est l'ennui, je crois. Mmh. Moi, c'est par ennui, de la solitude et comme rester assis sur mon canapé à m'angoisser sur des questions existentielles. Mmh. Je préfère écrire, faire un truc et je deviens créatrice à ce moment-là. D'une diversion, d'une digression. Et en fait, je crée une diversion à ma propre angoisse. Mais je pense que je peux aussi être contemplative. Je ne ressens pas, moi, un besoin de créer. Ouais. Je comble une angoisse, je crois. C'est énorme ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle un moment de télé. Est-ce que tu connais la chanson « Les gens qui doutent » ? Non. On l'écoute ? On ne peut pas l'écouter. On va se faire taper par les robots. Dernière question. Les gens qui doutent. Elena, avec quelle célébrité t'adorerais travailler ? Et attention, t'as pas le droit de citer celui qui a 2 pouces, le poulpose. Avec qui j'aimerais bien travailler ? J'adore les films de Wes Anderson. Mmh, donc, mais encore une fois, alors tu sais, j'ai pas trop des rêves comme ça. Parce qu'en fait, quand tu les as, ils t'empêchent. Moi, ce que je veux dire. Mmh. Si je rêve de travailler avec Wes Anderson... Avant, je voulais travailler avec Fellini, donc j'écrivais des lettres à Fellini quand je suis petite. T'as répondu? Non, lui, il n'a pas répondu. Michel Deville a répondu. Ah bon? Ouais. Incroyable. Arrêtez de me harceler, madame. C'est ça. J'ai appelé la gendarmerie. Donc, je veux pas trop me dire... Je devrais... en fait, le ressentiment naît de l'impression que quelque chose nous est dû. Donc, un rêve, c'est déjà... un pas vers quelque chose qui ne me serait dû et que j'attends. Et en fait, je ne veux rien attendre. Voilà.
Putain, on va se coucher moins con encore une fois, ça fait chier. Encore une fois, peut-être la première fois depuis longtemps, mais... Je m'attendais à ce que cette émission soit différente, tu vois, mais pas à ce point-là. Mmh. Ah, non, parce que je savais qu'elle allait amener une saveur particulière. Ouais, ouais, bah moi, je suis troublé. Hein, je mais là, dire, hein, c'est là, on est beaucoup, au-delà beaucoup de... Ouais. Beaucoup de bonnes infos, quand même. Ouais. Dernière interview, Joachim Tr. Ah ouais, wow. Alors attends, c'est la première fois qu'on fait ça. Ah. Ouais. C'est d'où vient cette image donc, Tu vas la décrire ? Non, je vais te montrer des images. Ah, tu vas montrer des images. Je vais te montrer des images. Et je dois deviner de où est-ce que ça sort. Ouais, où est-ce que ça sort. Ok. Donc, tu vas le voir sur le grand écran. Hop. Première image. Ah, c'est des trucs que je connais, c'est pas... Alors ça, c'est un clip qui s'appelle Tom, une Bien chanson. Toi. C'est ouais, toi, c'est moi qui chante. Ouais. Okay. Et je chante quand je te quitte, je sais plus les paroles. Ah, tu sais plus? Non, je sais plus. En fait, toute cette séquence-là, c'est un prétexte pour t'entendre un peu chanter. Ah, c'est sympa. Mais il est beau en plus ce clip parce qu'il y a tous les garçons. Il est super beau. Il y a ton fils dedans. Il y a le fils et il y a tous les garçons. Et. Tiens, si tu veux chanter. C'était la minimale step troop. Tu veux que je chante là? Non, mais si quand tu. Quand je te quitte, je te tue, Tom. Dis-moi des tonnes de tout ce que je ne nie quand. Tom. Je me souviens plus des paroles. Ok. Prochaine image. Prochaine image. Il est beau ce micro. Alors, juste avant que tu répondes. Ah, voilà, oui. Juste avant que tu répondes, cette image me. Quand j'ai vu ce clip. C'est beau. J'ai été absolument troublé parce que l'artiste. Un des artistes que je préfère au monde, c'est Robert Longo. Ouais. Et quand je vois ça, je me dis putain, Robert Longo, Elena Noguera, Robert Longo, j'ai une sorte de. Ça a explosé dans ma tête, je me dis, cette meuf est exceptionnelle, en fait. C'est gentil. Il y a peu de gens qui connaissent Robert Longo, quand même. Alors, vas-y, explique. Non, en fait, Robert Longo, c'est un peintre, dessinateur, photographe qui travaille sur les gens qui sont dégingandés, je ne sais jamais comment. Dégingandés. C'est toujours des instants, notamment de gens qui tombent ou qui dansent, ou qui sont en mouvement. Ouais. En fait, c'est des mouvements très particuliers. Ça donne... moi, ça m'émeut énormément son travail parce que ça me fait penser ou à de la danse ou à une société qui s'effondre parce que souvent, c'est des hommes en costume, traders, financiers, etc. Ça m'émeut extrêmement. Et que tu prennes ça en référence pour un clip, j'ai été bouleversé. C'est ça. En fait, j'ai vu une expo à Nice. Au musée d'art moderne. Et donc, c'est dessiné au crayon, c'est du crayon gras, et ça ressemble à une photo. Et c'est un peu plus grand qu'un homme, vois, c'est un tout petit peu plus grand que nous, c'est presque taille nature. Et pour lui, en fait, c'est des gens qui sont shootés, qui meurent sous des coups de balle. Et quand j'ai vu ça, j'ai pris des photos comme ça, en me disant, je vais faire quelque chose un jour avec ça. Et puis, j'ai fait ce clip qui est un hommage, et en fait, on reproduit son esthétique, son noir et blanc, les positions, sauf que nous, on est en mouvement. Et j'ai pris tous les garçons, les potes de Tanel, les gens des gars du quartier qui étaient dans les bars. Et le clip est très, très beau. Qui étaient dans les bars. Il y avait Slimane Dazi qui devait venir, tu vois. En fait, le clip est magnifique. Merci. Le clip est magnifique. Cette référence m'a perturbé, comme tu as pu le voir. Et est-ce que tu te souviens des paroles? Ah ouais, I will never know. Il faut que je chante dans le micro. Mais un petit I will never know the end of a story. I will never tell. Let us call it a story. I will never look in your eyes so dear that you think I'm lying. I will never cry. Etc. Un moment. Télévisuel. C'est mon côté Elvis. Je me suis surpris pour Elvis Presley. C'est vrai? Ouais, j'ai toujours pensé que je lui ressemblais. Et donc, j'aimais bien chanter comme ça. Et un jour, je me suis dit, moi, je vais chanter comme ça, ce qui empêche. Prochaine image. Prochaine image. Et ça, c'est minimum, c'est clip minimum. Il me faut un homme au minimum. Et là, dans ce clip, il y a Bertrand Burgala, il y a Monsieur Catherine. Bien sûr. Tricatel. C'était chez Tricatel. Et c'était l'époque, vraiment, on ressent, parce que j'ai écouté avant de regarder... ta bio, etc. Ouais. J'ai vu ce truc-là, je me suis dit, putain, mais c'est carrément Tricatel comme vibe, un peu 60s, etc., dans l'ambiance.
Et après, ben, j'ai vu que tout cet album-là était produit par... Alors, je ne sais pas non, si pas l'album... Non, pas celui-là. C'est celui d'après. Là, je rencontre Bertrand. Oui. Et donc, il vient dans le clip et il me dit cette chose. Il dit, c'est très dommage que vous ayez signé chez Warner. J'espère que votre disque ne marchera pas et que vous viendrez signer chez Tricatel. Ah oui. C'est ce qui s'est passé. En fait, il a fait les arrangements violon sur ce disque. Mais après, Warner, après ce disque, m'a jeté. Et donc, je suis allée taper à la porte de Bertrand. Et j'ai dit, Bertrand, Warner vient de me virer. Il a dit, c'est génial. Viens, et on a fait génial. Azul. Voilà. Ah, c'est trop bien. Ouais. Ah. Oh, je sais! Ça, c'est une émission, je chante Lunettes Noires, j'ai 18 ans et je chante dans la dernière émission produite par Marité et Gilbert Carpentier. Exactement. C'est un numéro 1. T'as ouais, fait exactement. Ça? Le dernier. Ouais, ouais. L'invité principal, c'était celui qui joue dans Anna, là, qui était l'acteur. C'était un acteur qui jouait avec Anna Karina, qui est mort il y a quelques années. Ça va me revenir. Et parce que ça, c'était une émission, alors pour les plus jeunes, oui. Bah, c'était le rendez-vous. C'était l'émission, quoi. Ouais, ouais. C'était l'émission française. Mais de toute façon, les Gilbert Carpentier, c'était vraiment ceux qui faisaient toutes les émissions des années 70, 80. La variétoche. C'est la variétoche, quoi. Ouais. C'est fou, hein, parce que cette photo-là, regarde, pardon, celle-là, là, ouais. La folie des filles. Donc à ce moment-là, vous voyez, j'ai un front très bas. Et en fait, j'ai complexé et j'ai enlevé... à l'électricité, les petits... Et donc maintenant, je regarde ça, je me dis mais j'ai un énorme front maintenant. Parce que... Ah bon ? Mais oui, parce qu'en fait, j'ai enlevé les duvets. Ah ouais ? Et en fait... À l'électricité ? À l'époque, c'était à l'électricité, point par point, dans les... Au radiateur électrique. Ah ouais, c'est hyper précis. Je me dis, mais c'est fou, parce que c'est vraiment beaucoup plus bas comme... On dit dans le chat, on dirait Marilyn Manson quand elle tape dans les graves, Elena Noguera, faut que vous chantiez comme ça, j'aime bien. Ouais, d'accord, chanter comme est-ce ça. Que tu ou Amanda Lear, non. Alors, pour le coup, Lunettes Noires, c'est ton premier titre, premier 45 oui. tours. Oui. 40, on appelait oui, ça 40, à l'époque un 45 tours. Tu t'en souviendras un petit peu ou pas? De la chanson? Ouais. Ouais, je chante sur scène. Avec le micro. Alors, pam pam. Alors, je ne sais pas si je vais te taper dans la bonne tonalité, mais bon, puisqu'il aime bien grave. Bah voilà. Lunettes noires, vous qui pouvez transformer le jour en soir, voilez-moi ce soleil pour toujours, je veux voir les choses autrement, ou ne plus les voir. Lunettes noires, lunettes noires. Oh, oh. Tellement bien. Merci. Ok, image suivante. Et ça, c'est ben, le titre d'Olano, c'est Latitude, ça s'appelait. C'était un groupe. C'était le seul tube que j'ai vraiment fait, et pas moi qui l'ai fait d'ailleurs, c'était un groupe, on était quatre. Il y avait Marc Collin qui a après créé Nouvelle Vague. Il y avait Xavier Jameau qui lui a fait Bang Bang. Je me disais, merde, il y a un truc qui ne va pas dans ce que je vais dire. Non, c'était Bang Bang, bang le bang, groupe. Ouais. Attends, comment pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une lettre, ouais, qui m'échappe. Il y a une lettre qui m'échappe, attends, je ne vais pas dire des bêtises. Et puis, il y avait Sandra Nkake qui continue à chanter, qui était l'autre chanteuse, et moi. Et en fait, c'est le même principe qu'ils ont continué avec Nouvelle Vague, c'est-à-dire deux chanteuses qui ne font rien d'autre que chanter et de minauder un peu. Donc là, j'ai bien minaudé. Attends, t'as bien minaudé, mais encore une énorme référence artistique pour ce clip à Paris-Texas. Ouais, c'est Paris-Texas de ouf. On a, copié, on a refait Paris-Texas, et donc de l'autre côté de la vitre, il y a plein d'hommes différents. Et on a repris à peu près le décor, on a fait le pull. À l'époque, j'ai demandé, c'était chez Barclay, ce pull qui a été tricoté par ma copine Fifi Chachnil, qui maintenant depuis fait des lingeries. Donc elle a tricoté ce pull en mohair, et à l'époque, elle l'avait facturé 2500 francs. Que Barclay n'a pas voulu me payer. Comme le clip a fait un carton, c'est le Goldies à l'époque, après tout ça, Barclay m'a dit, on va te rembourser le pull. Bah, sympa. Oh, sympa, Eddie. Parce que c'était quand même très, très important. T'as fait des soirées blanches avec Eddie ou pas? Oui, j'ai fait une. C'est vrai? Ouais, j'ai fait une soirée blanche. J'ai failli être la dernière, Madame Barclay. Mais non. C'est un scoop, ouais. Il t'a dragué? Il m'a demandé ma main. Mais non. Et à l'époque, j'avais dit non. Je dis, oh, je suis contre les mariages. Et on est devenus potes. Ah, trop bien. Il dit, mais normalement, donc les filles. Donc, il n'y a jamais eu d'histoire avec Eddie. Non. Mais ouais. Il dit, mais normalement, les filles, elles m'épousent. Et je dis, mais je dois faire quoi? Il dit, bah, rien, en fait. T'es jeune. Moi, je suis vieux. J'ai besoin de ta jeunesse et de ta fraîcheur. J'avais 25 ans. Je dis, OK. Il dit, en échange, je promets une très bonne éducation à ton fils. Ça, je dis, oh non, on va se débrouiller.
Moi, je suis contre tout ça. Mais, et on est devenus potes. Donc, j'ai souvent été déjeuner chez lui, ouais, avec Colaro, tout ça. Ah, les mercredis. Wow. Ouais. Il m'invitait. Et puis, la première fois, ils ont commencé à me vanner un peu. Il a dit stop, c'est vraiment notre pote. Ouais. Vous arrêtez. Et donc, c'est notre gars sûr pour la plus jeune génération. Je suis restée là. Il y avait des hommes d'affaires. Donc, j'allais déjeuner parce que j'étais très curieuse de comprendre ce monde-là. Mmh. Et puis, mais il avait 80 ans. Pour les plus jeunes, Eddie Barclay, c'était... un monstre de la production musicale, notamment par son label qui s'appelait Barclay. Ouais. Et quand il est mort, je ne sais plus qui a dit ça, mais quelqu'un a dit, Eddie Barclay est mort, c'est lui qui a inventé le showbiz, et maintenant il reste plus, il a inventé le show du mot showbiz, et maintenant il reste plus que le biz. Ah oui. Ouais, oui. Ouais. Mais il était très... désolé pour nous déjà à l'époque, donc c'est il y a quand même 30 ans, mais il disait c'est devenu n'importe quoi, et il y a 30 ans, donc aujourd'hui je pense qu'il serait fou de voir ce que c'est devenu. Il disait nous on mettait 4 albums à développer un balavoine, ouais, et même il disait vous on va vous jeter à la poubelle, vous êtes des poupées de jukebox. C'est vrai. Et ça c'est la reine de la piste. Ouais. Ouais. Ça c'est le clip est super aussi parce qu'énormément de références à la pop culture. Dans ce clip, avec un choix très étonnant de prendre que des couvertures de dessinées. Ouais. Qui a dessiné ? Alors ça, c'est quand même la magie de la générosité des gens. On est confinés et c'est Patrice Massini qui est producteur de documentaires, qui a un fils qui est un peu spécial et qui a une passion de dessin. Et donc, il dessine des pochettes de disques cultes rock. Ouais. Et c'est le confinement. Et Patrice m'appelle, j'ai fait, je pense, un docu avec lui. Et il m'appelle et il me dit, écoute, c'est le confinement, je vais te faire un clip gratuit. Mais est-ce que tu veux bien mettre les pochettes de mon fils ? Et donc, il m'a filmé une après-midi masquée, sans masque, dans un studio vite fait. Ouais. Et il a monté ce clip et il me l'a offert. Et en même temps, ça permettait aussi à son fils d'avoir une exposition et une... une raison d'être. Ouais, ouais. Mais super ce clip. Oh, merci. C'est vachement bien. Bah, tu veux les deux dernières photos ? Vas-y, une dernière. Celle-là ? Ah bah oui. Ah bah, encore un clip, ça c'est Je me laisse tomber, c'est mon dernier... C'est le dernier single du dernier album qui est sorti, je pense, il y a un an et demi, ou deux peut-être. Non, un an et demi, en novembre 22. Et ça, c'est la côte... c'est vers Etretat. Et c'est toi, là ? Mais oui. On dirait Nubia de dingo, là. Ah ouais. T'es d'accord avec moi ? C'est super. Non, j'avais pas pensé. Mais... Non, mais on est d'accord. Ouais, c'est possible. Ouais, j'arrive pas à... Parce mais on se ressemble, hein, de toute ouais, façon. Parce qu'il y a un autre clip qu'il n'a pas montré et il y a Nubia. J'ai fait chanter Nubia. Ah bon ? J'ai fait chanter Nubia. Qui est ta nièce, pardon, je précise. Qui est ma nièce. Ouais. Et en fait, j'ai écrit un livre qui s'appelle Ciao Amore. Mm-hmm. Et là, l'héroïne chante tout le temps. Et j'ai fait enregistrer à Nubia 10 chansons du livre. Donc, c'est des reprises. Et je l'ai filmé. Donc il y a plein de petits clips. Ah, je vais regarder. Tu peux voir Nubia. Si tu tapes Elena Nogara Ciao Amore, tu vas avoir 8 ou 10 clips avec Nubia que j'ai filmé, mise en scène. Et j'avais le rêve de faire un film tiré du livre avec Nubia, en la filmant, en faisant un film sauvage. Mais on a vendu les droits, mais les productrices sont tombées par terre. Les amis, on passe à la dernière partie de l'émission. Yes. Avec plaisir. Nous allons jouer. Nous passons à la partie party game. Tu n'avais pas marqué dans le chat, vous avez des questions pour l'invité, on zappe ça. Si, c'est après, pardon. Ah d'accord, pardon. Ah oui, pardon. Ah oui, pardon, t'as raison. Non, aucun problème. Mais évidemment, dans le chat, si vous avez des questions, je les lirai pendant qu'Elena met ses cheveux dans le guacamole. Allez, c'est parti pour le party game. Party. Ça va me revenir. J'ai oublié. On a un jeu génial qui s'appelle Téléparty. Alors, je vais essayer d'expliquer les règles. Parce que moi, je les ai un peu oubliés aussi, mais c'est alors, super. Chacun pense à un mot. Ah oui, c'est ça. Ah, okay. Voilà. Alors, vas-y. Toi, tu penses à un mot. Tu le dis pas. Tu le dis pas. Toi, tu penses à un mot. Ouais. Et à trois, vous dites le mot. OK ? Ah. Et toi, on va dire que c'est sandwich. Toi, on va dire que c'est télé. OK ? Et à partir de ce moment-là, il faut que vous réfléchissiez à un mot qui soit cohérent entre les deux. Et donc, vous allez réfléchir à un autre mot. Jusqu'à ce qu'on arrive à dire le même mot sans se concerter. Sans se concerter. Tu captes ? Plus ou moins. Tu veux qu'on le fasse ? Plus ou moins. Est-ce que tu veux qu'on le fasse avec Poulpe une première fois ?
Pose ou moins. Pose ou moins. Déjà, il faut qu'elle apprenne à parler. Pour ce jeu. Ok. Comme Raphaël Mesrahi, l'autre jour, je lui demande ça va. Il a fait écoute, je vais ni bien. Voilà, c'est ça. J'ai bien aimé. Je vais ni bien. Alors attends. Est-ce donc que là, je vais dire sandwich. Donc là, il faut qu'on soit. Bon. Non, tu dis le mot ah, non, que tu veux. Dis... On est concentré en télépathie comme okay. ça. Ok. Et donc là, on va dire, évidemment, on peut pas dire le même non. mot. Si on dit le même mot, c'est incroyable. Ouais. On va pas dire le même mot. Ensuite, on va redire un deuxième mot, mais qui rapproche les deux, tu vois. Et là, logiquement, comment on si on est connecté, mots? On va pouvoir réussir à dire, un entre-deux, ouais, un objet entre-deux. On fait déjà le premier okay. mot. On fait déjà le premier vous mot. Allez voir si vous êtes connecté. Vous avez réfléchi allez. À un okay. mot c'est bon, j'ai un moment. Okay. Vas-y. Un, deux, trois. Charentaise. Comment Charentaise ouais. Charentaise, serviette. Serviette. 1, 2, 3. Tissu. Caleçon, tissu. 1, 2, 3. Chaussette. Merde. Chaussette, okay, on, ouais, j'ai dit chaussette. T-shirt, on y est chaussette. Presque, on y est presque. 1, 2, 3. Pantalon. Pantalon, chapeau. Ok, ok. Attends, pantalon, chapeau. Okay, ok. Pas du tout connecté. Non, on n'est pas du tout télépathique. Ouais. 1, 2, 3. Chemise. J'aime bien la façon dont tu le dis. En plus, écharpe. Con, lui. Donc là, on est à chemise et écharpe. Ok. On a fait tous les habits. Attends, chemise et écharpe. Entre les deux. Ah oh bah, t'as pardon, qu'à dire. Pardon, ouais. pardon. 1, 2, 3. Cravate. C'était quoi ce qui vient de se passer? Moi, je voulais une veste. Moi, tu l'as pas dit. Bon, veste. T'as dit veste, cravate. Je dis veste en. Non, mais putain, on n'est pas du tout connecté. Là, veste, cravate, vous pouvez penser à un truc, un mot commun. Veste, cravate. Bah, on a déjà dit chemise. Ah, vas-y, non, ouais. Veste, cravate. Veste, moi, je peux le dire. Veste, cravate. Moi, je peux le dire. Vas-y, vas-y. 1, 2, 3. Costume. T'as dit quoi, toi? J'ai dit costume. Ouais, nous, on a dit. T'as dit quoi? Smokim. Smokim. J'en bave. Ok, bah très belle démonstration, Elena, super, super, super. Ça marche pas du tout. Hein. Bah essayez tous les deux. Alors vas-y, peut-être pensez que nous on est connectés. Et là, attendez, c'est je plus vous... dans les habits. Non, non, on est en... Ok. Oui, là, c'est le mot que tu veux, c'est le mot que tu veux. Ok. Ok, vous êtes... Attends, j'ai besoin de... Ouais, ouais, c'est normal, connectez-vous. Ouais, ouais, j'ai besoin de me connecter, Elena. Ouais, on connecte. C'est vrai qu'il manque des syllabes. Ouais, mais bon, ça s'effiloche. Ok, attention, à 3, 1, 2, 3. Voyage. Oh, pas mal, intéressant. J'ai pas besoin de crier aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Voyage soleil, attention à 3, 1, 2, 3. Île. Palmier. Ouh. Île palmier, 1, 2, 3. Noix de coco. Ah putain. C'est chier. Ok, attends. Sable, attends. Noix de coco. Sable, noix de coco, franchement. Je sais pas pourquoi, je mets de l'intensité dramatique. Attention. 1, 2, 3. Mer. Pina colada. Ma passion, c'est la façon. Pina colada. Putain. Pina colada, mer. Enfin. J'allais dire mer. T'es pas du tout. Mer, mais t'as dit pina colada. Ouais, pas du tout télépathe. Noix de coco. Attends, donc vous en étiez à pina colada et mer. Mer. Et mer. Pina colada et mer. Bon. 1, 2, 3, cocktail. Cocktail. Hey, bim. Bravo. Cocktail. Voilà. J'aurais dit Philippe Laville. J'ai failli dire Tom Cruise. Mais bon, pour et cocktail. Moi, ouais, vas-y. Tu nous donnes un top. Ouais. Attends. Ok. Top. Attends. Tu dis 1, 2, 3. Ah oui, 1, 2, 3. Ça aide la connexion. Attends. Ouais. Il y a des gens qui jouent sur le chat. Quelqu'un dit Transat. Attends, connexion. Ouais. Vas-y. 1, 2 et 3. Village. Moto. Moto. On est hyper bien connecté. Hyper bien connecté. 1, 2, 3. Route départementale. Ah donc, en deux, putain. Mais parce que vous l'avez déjà joué plein de fois. Bah, ça explique. Ça doit aider. Vous voulez en refaire un tous les deux? Pas du tout. Vous devez avoir de l'entraînement. Ok, okay. Elena, on attend. Ok. Ok. T'es ok? Ouais. 1, 2, 3. Chat citron, c'est pas mal. Ok. Chat citron, il y en a ouais, un. Ouais, de ouf. 1, 2,
3. Les jaune. Lessive. Ah putain, le chat. Le chat citron, lessive, mais oui. Mais oui. Ah, je suis con, moi. Oui. J'ai pas fait exprès. C'est mon inconscient. Je n'avais pas réfléchi, le mot est sorti tout seul. Je savais même pas pourquoi lessive, mais c'est, ah, ça. Bah, c'est ça. Donc, lessive et jaune. Lessive et jaune. Et toi, t'as dit quoi, là? Jaune, j'ai dit. Et jaune, ouais. Attends, attends, je l'ai pas. Bah, si. Ok. Si. Je sais pas. Moi aussi. 1, 2, 3. Pipi. Mais c'est quoi la connexion avec lessive, pipi? Et jaune. Mais non, mais ça a une connexion avec jaune, mais pas avec lessive. Mais bah, lessive et jaune, pipi, on lave les pourquoi vêtements. Pourquoi vous parlez pas de tache? Ouais. Une tache jaune, lessive. Toi, t'as dit quoi? Œuf. Œuf. Pipi et œuf. Moi, j'essaie d'être un peu vénère sur des règles qui n'existent pas. Pipi et œuf. Ouais. J'en ai. Vas-y. 1, 2, 3. Vagin. T'as dit quoi? Vagin gluant. Ah, génial. Bon, là, on l'a. Pardon. On l'a? Vagin gluant, on l'a. Ah, on revient en boucle. Bah, on non, boucle, on non. Boucle. Oui, bon. Ah bon? Non. Vagin gluant. Gluant, hein? 1, 2, 3. Chat. Cyprine. Ah, on l'a dit. Toi, t'as dit Cyprine. Il y a eu un triplé. Tout le monde ne connaît pas ce mot, tu sais. C'est vrai. Cyprine, ouais. C'est ce qu'on trouve dans les... Quand... Kinder Surprise. Ouais. J'ai une collègue de travail qui s'appelle Cyprine. Ah non. Si. Non, ça c'est pas cool les bah, parents. C'est pas cool, mais c'est pas ça. Cool. Tu l'aimes bien ce jeu, Téléparty? Ouais, j'aime bien, je crois que je vais le refaire. C'est dur, hein? À la maison. Ouais. Mais c'est un vrai truc. Des gens qui jouent seuls. Gland, pénis, il le met tout seul. Ok. Dans le chat, est-ce que vous avez des questions pour Elena? Alors, Elena, pendant ce temps-là, je le rappelle. Tu joues en ce moment le spectacle Frida Kahlo. Oui, Frida Kahlo à la Scala jusqu'en juin. Jusque fin juin. C'est tous les énorme. Lundis et à partir d'avril, les dimanches aussi. Ok. Mais ça marche bien, alors on a des prolongations. T'es toute seule? Je suis toute seule, il y a un musicien aussi, oui, donc c'est on ça. Est deux. Ouais. Et je chante aussi, également, pas beaucoup, beaucoup, mais ça ponctue avec des chansons et je fais des lectures et puis je parle, c'est une espèce de... Hein? Je peins pas. Je danse saute. Tu danses saute. Tu taquines la danse. Je taquine la danse. On te retrouve aussi sur Camille et Images sur TF1. Camille et Images, ouais. J'oublie quelque chose ou pas? Non, je ne crois pas. T'as fait une chanson avec Maréva Galanter? J'ai fait son album, je lui ai écrit un album oui, sur c'est mesure. Ça. Ah pardon, excuse-moi. Ouais, je lui ai écrit un album très joli où elle parle de Paris-Tahiti, de son rapport ouais. entre Paris et Tahiti, son arrivée à Paris, etc. Qui est sorti, c'était qui en sorti l'automne. Il y a peu de temps, je crois, ouais, l'automne. Ouais, ouais. Ouais. On a une question dans le chat. Si tu devais chanter en grave, car je vannais pas, seriez-vous intéressé par un support dit « smooth jazz » de faire un truc plus intimiste et ainsi aller sur d'autres univers que vous aviez peut-être ou pas jamais envisagé le temps d'un petit titre? Oui, c'est possible. Ah, t'as quand même chanté un titre qui s'appelait Sport Jazz. Ouais. Jazz Sport ouais. ou sport jazz, jazz et Sport. Jazz et sport. Ouais. J'ai fait du jazz, mais oui, pourquoi pas. Là, je vais chanter du tango. En fait, il y a une pièce qui va se jouer à partir du 16 mai au Théâtre Marigny. Et ça, c'est sur l'histoire de l'Argentine. Ça s'appelle Tango y Tango. C'est surtout des... Il y a beaucoup... Donc deux fois c'est, tango, donc ouais. ouais. Toute l'Argentine, toute l'histoire de l'Argentine est disparue, etc. Ça se passe dans un bar. Il y a une troupe, on est 25 sur scène. Il y a des danseurs argentins qui font du tango, mais exceptionnel. C'est des acrobaties. Toi, tu danses le tango? Eh non. Moi, je vais chanter et la musique est faite... Mais non. Eh non. Tu peins Frida Kahlo? Non. tu danses le tango? Non, je vais chanter les tangos et c'est des chansons qui sont faites par Gotan Project. Ah, d'accord. Okay. Et donc, c'est du tango, mais du coup, avec la voix en bas, mais un peu plus poussée, quoi. Mmh. Voilà. Trop bien. Ouais. Et on me demande la Scala à Milan. Non, la Scala, oui. Dans le 10e, hein, ouais. Moins sexy. Plus du Faubourg Saint-Martin. Mais toujours très passionnant. C'est super. Ouais, ouais. La Scala est un super. Moi, ouais. C'est là où j'ai testé mon One Man. Ah, génial. À la Scala. Piccola, en bas. Ouais, la Piccola, ouais. Ça a été une boucherie sans nom. Et il me fallait cette date-là pour me faire peur. Mais du coup, pour moi, la Scala est synonyme de. Bah, moi, j'allais à Scala, à la boîte, la Scala, quand j'étais plus jeune. Qui était, oui, boîte, qui était rue de Rivoli. Ouais. Ouais. Ouais, une époque. Ouais. Alors, il y a quelqu'un dit dans le chat, c'est pas une question, mais je la connaissais que de nom, et franchement, je trouve qu'elle a une philosophie de vie extrêmement inspirante. Merci. Super. Et enfin, la question sûrement la plus importante, moi, je me demandais si dans la recette de la carbonara, elle nous conseille d'ajouter un œuf ou pas.
Attention, tu risques de te mettre des gens à dos. Ouais, si attention, tu fais la réfléchis, on est en direct. Je te le rappelle, on est en direct. Putain, il n'y a pas de montage. Oh là là. Mais je ne fais jamais les carbonara parce que je crois que l'œuf est cru et que ça me dégoûte. D'accord. En revanche, regarder des boutons se faire percer. Non. Mais l'œuf cru, j'aime pas. C'est le moment signature de cette émission. Oui, c'est le moment du cadeau. T'as été sage ? J'ai un cadeau ? Ouais. C'est trop bien. Est-ce que t'as été sage ? Oui, comme une image. Alors attends, le premier. Parce qu'on a pas mal parlé de tes inspirations et je trouve que dans ton parcours, ça revient pas mal, ça. Et bon, je te la laisse lecture, découvrir. Les livres. Ouais, ouais. Les livres, les lectures, mais spécifiquement de quoi ça parle ? Alors oui, bien évidemment la lecture, mais ce bouquin en particulier, c'est les correspondances entre Truffaut et Helen Scott, qui était une attachée de presse. Et c'est peut-être la meilleure séquence. C'est peut-être la meilleure séquence. Un gros plan sur ça. J'ai cru que t'allais le manger, moi. J'ai cru que t'allais lui faire un bisou. À chaque fois que je me mets à lire, les gens ils disent non. C'est pas vrai. J'ai cru que t'allais faire un bisou au livre. J'ai dit, putain, elle adore ce cadeau. Elle l'adore. Ça sent bon. Oh, j'adore l'odeur du papier. J'adore l'odeur du papier. En fait, après, vous verrez. En fait, au début, tu fais ça. Moi, je fais ça. Et ben, à la fin, tu fais ça. Il faut être très très bon. Voilà. Et c'est des correspondances entre François Truffaut, donc qui était. Je connais pas Helen Scott. Helen Scott, c'est une attachée de presse. D'accord. Qui était une attachée de presse très connue, qui était d'abord commencé aux États-Unis, puis après est arrivée en France. Et c'était l'attachée de presse de très grandes stars. Et donc ils ont avec. Foudre. Voilà. Et avec François Truffaut, il y a eu une vraie relation épistolaire, hein, où ils s'écrivaient beaucoup entre eux, ils parlaient beaucoup de cinéma, de plein de choses, et voilà, ça m'a fait penser un peu à, super. Voilà, à toi, et voilà. Je dis bonjour Hélène, mais en plus je m'appelle Hélène. En plus. En vrai, je m'appelle Hélène. Ah, en vrai, vrai ouais. À part de vrai. Hélène, c'est mon nom de scène. Ouais. Ouais. Et un deuxième cadeau, parce que quand j'étais à la librairie, donc j'ai acheté ça, et je suis arrivé en caisse, et j'ai vu ça. Alors je sais, j'espère que... Je l'ai pas. Bon, c'est les livres un peu blagues, tu sais. J'espère 10 conseils, pas, 10 conseils pour chier dans les bois et tout. Non mais j'espère que t'as encore un lecteur DVD. Oui. Bon. On n'offre plus de DVD aujourd'hui, voilà. Mais bon, c'est dommage parce qu'il y a encore plein de choses. Mais ça, voilà. Mais oui, évidemment. Ça, Diabolomante. C'est où là. Diabolomante. Diabolomante, pour moi, c'est un film culte d'enfance. Que ma sœur m'a fait découvrir. Oui. Diane Curis, qui est une des premières réalisatrices françaises. Pardon. Bon, bref, Diabolomante, c'est un super film, mais bon, je pourrais pas passer après ça. Oh, bah, bref. Oh, merde. Sublime. En parlant de littérature, permettez-moi de vous faire la promo, mon gros Jojo, puisque tu as sorti ton livre Une histoire folle. En janvier, tout à fait. Voilà, qui raconte comment ont été créés les Avengers. toute l'histoire des comics Marvel. Comment j'ai créé Je suis Charlie et le voyage en absurdie qui a suivi. Voilà, bon, on en a suffisamment parlé. Aux éditions Grasset, mais c'est toujours bien de le rappeler. Ouais, ouais. Puisque tu y tiens absolument, pas de problème, je vais faire la promo pour mon spectacle. Ouais, j'y tiens. Je trouve qu'on n'a pas assez fait la promo de mon livre, mais vas-y. C'est un très bon livre. Et moi, je suis en tournée actuellement. C'est par chez moi. Ah, j'y suis passé déjà, malheureusement. Je suis demain à Nice. Non, attends, je suis perdu. Samedi, je suis à Nice. Il reste des places et après je sais plus parce que là il y en a complet ou quoi mais je sais plus, enfin bref, tapez Monsieur Poulpe Nombril. Jemont, c'est vers la Suisse. Ah, ok. Tu vas aller en Belgique. Ouais, je fais Bruxelles et Liège. Ouais, je suis trop content, trop content. Ah bah oui, Bruxelles, trop bien. Sosheim, c'est en, j'imagine, en Alsace. Ouais, c'est ça, à droite, c'est vrai. Donc voilà, je joue jusqu'à juin et après ciao, bye bye. Beaucoup donc, plus longue ta promo que la mienne, mais vas-y. Ouais, je suis plus contemplatif. Ouais. merci beaucoup Hélène. Attends, est-ce que j'oublie des merci trucs. Merci pour ce très bon moment. Est-ce que j'oublie des choses. Non, voilà. Allez voir Hélène à la Scala dans le spectacle Frida Kahlo. Je suis un connard, j'ai pas mis de visuel. Ouais, t'es un connard.
Non. Ça m'ensemble pas. Tu peux dire que c'est un connard. Ouais, tu peux le dire. Profites-en, c'est le moment. Hein. Okay. Ah oui, non, la dictature du bonheur. Non, j'aime pas. Non. La semaine prochaine. Attends, c'est la semaine prochaine ? On se retrouve la semaine prochaine ? Non, on se retrouve pas la semaine prochaine, je te l'ai dit. La semaine d'après ? Le 14, je pouvais pas. Ah, c'est con ça. Moi, je te l'ai dit. Ah, j'ai oublié de changer la date. Bon, ça sera pas encore cette semaine où il y a Eddie Depreto. Je vais rebouger la. Ouais, ça fait. Non. Parce qu'Eddie Depreto, on n'avait pas dit le 14, on avait dit le 20 des brouettes. Ah, pardon. Donc la semaine prochaine, il n'y a rien. Si, normalement, il y avait une émission. D'accord. Mais je t'ai dit que je pouvais pas. Attends, je vérifie si j'ai pas... Mais non, pardon, en plus, la semaine prochaine, c'est pas le 14. C'est la semaine prochaine, moi, c'est possible. C'est la semaine du 14 où c'est pas possible. Ah, voilà, donc c'était Merwan Ben-Lazare. Et donc, je vais changer la date de Merwan Ben-Lazare. Mais attends, pardon, qui sera pas là. Jeudi prochain, c'est possible ? C'est pas possible pour toi ? Je sais plus. Bon, on va regarder. Ouais, on va regarder le planning. Peut-être la semaine prochaine, on sait pas. En tout cas, merci aux modérateurs et modératrices d'être là. La semaine prochaine, c'est le 7. Il y a un mec quand même, il a je crois que je joue. Il a pas arrêté de tout le chat de me chercher sur les JO quand même. Ah, il voudrait que tu dises des trucs. Ouais, ouais, les JO quoi, les JO, il fait que vanner sur les JO. Vous pouvez inviter Chicandier, écoute, je vais lui demander, ouais, tout simplement, je vais demander à Chicandier. Allez, des gros bisous, merci à tout le monde d'avoir été là sur le chat. Merci. On va laisser Elena faire des bisous à son téléphone. Merci à toutes et à tous, merci Elena, c'était vraiment génial. Merci, merci beaucoup. Top 3, voire 2, voire 1 des émissions. Merci beaucoup. Pour moi. Génial, ah bah, on se quitte bons amis. Ouais. Ouais. Thank you.